Salam pour me dire si le son il est bon ouais, comme salam là, mais bah justement là je vais faire le, le live par rapport à ce qu'on a discuté tout à l'heure J'ai un peu gambergé, j'ai un peu lu, il y a peut-être des trucs qui sont un peu éclairés Le son il est bon ok 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 J'entends qu'il y a un peu de monde. Tu nous as préparé quoi de bon Tu as fouillé un peu, MDR Oui, un peu, vite fait, mais euh, vite fait, rapide, mais déjà, on va dire, euh, ça s'éclaire un peu plus. Mais après, bon, c'est pas, hein, c'est pas, pas un sujet comme ça. Tu vois, tu vas le maîtriser en disons que ça va toujours dans le même sens, quoi. Allez, بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا عليكم السلام Donc le sujet d'aujourd'hui que j'ai choisi, c'est quoi C'est Gog et Magog. D'accord Attendez deux secondes. Une seconde. Donc, le, le sujet d'aujourd'hui, c'est quoi C'est sur Gog et Magog. D'accord Donc, euh, j'ai déjà écrit quelque chose sur ça. J'ai déjà ma vision des choses sur euh, Gog et Magog. D'accord Donc, on va essayer de. Je vais essayer d'expliquer ma vision en essayant de refaire une petite mise à jour. Parce que je pense que des mises à jour, euh, il en faudra. Il peut déjà le refaire encore dans le futur. Hein, on ne peut pas dire que. On, est, on peut être stable sur une, sur, une, sur une vérité, sur quelque chose dont en réalité on ne maîtrise pas tous les tenants et les aboutissants. D'accord, Gog et Magog aujourd'hui, peu de personnes peuvent dire exactement euh, qui est Gog et Magog. Donc, euh, on va dire j'ai euh, ma façon de voir sur les, ma, ma façon de voir, mon opinion. Alors je ne sais pas si elle est vraie ou pas, mais on va voir. Donc ce que je vais faire, c'est quoi C'est que je vais lire les versets. Dans Surat al concernant Gog et Magog. Et ensuite, euh, donner mon opinion. D'accord Peut-être qu'on fera deux vidéos, peut-être sera pas suffisante, une seule. Et donner mon vidéo, euh, mon, euh, mon avis sur ce sujet. Donc. Donc Dieu dans le Coran, il dit, Il vous pose la question, on t'interroge sur del les Juifs sont venus poser la question au prophète sallam pour leur demander, pour lui dire, que peux-tu nous dire sur Delkarnein Donc les Juifs, ils ont leur vie. Le c'est quoi C'est celui, littéralement, qui a deux cornes. Donc là, ils disent que la corne, ici, c'est métaphorique. La corne, c'est la puissance. C'est le pouvoir. L'homme aux deux pouvoirs, l'homme aux deux puissances J'essaierai de faire rapide. Ne va pas m'arrêter sur chaque chose parce que, autrement, va, il faudrait des heures et des heures. Donc, eux, les Juifs, considèrent que c'est euh, Sirius, ou, ou, euh, Koresh, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, d'accord, Goresh, qui a, comment s'appelle, euh, euh, sauvé les Juifs à une période, ainsi de suite, et qui a permis la construction du temple. Donc, pour eux, Dolkarnin, c'est lui, d'accord. Donc, ici, ils sont venus questionner le prophète sur Dhul Qarnayn. et Dieu dans le Coran il dit minhu Dieu dit je vais vous citer un peu de son histoire minhu dhikra »« Inna makkanna lahu fil ard on lui a donné le pouvoir sur la terre « At-tamkin fil ard c'est l'établissement sur la terre c'est à dire il, il peut faire ce qu'il veut dans la terre d'accord il peut aller où il veut se déplacer en quelque sorte euh, euh, Dieu lui a donné la terre en héritage, d'accord. Ce qu'on appelle at tamkin. Quand Dieu dit, euh, 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 donc Allah leur donnera at tamkin. Euh, euh, quand il parle de qui, de alladina stouda rifufi ar, ceux qui ont été affaiblis sur la terre. Donc tamkin ici, c'est quoi? c'est le fait d'établir, de donner en héritage la terre, el irth, donc l'héritage. L'héritage. Donc, donc on lui a donné le Temkin. Qui a eu le Temkin sur la terre entière Il y a eu le prophète Salomon, le prophète Soleiman, d'accord Pour moi, je pense qu'il est fort possible que euh, Qarnayn, l'homme aux deux pouvoirs, d'accord Et non pas aux deux cornes euh, de manière littéraliste. Soit qui, soit qui, soit Salomon. Donc, Salomon, pourquoi il avait le pouvoir sur les hommes et sur les djinns Ça, on le sait. Quand vous lisez l'histoire de Salomon, vous savez qu'il avait le pouvoir sur les hommes et sur les djinns au point où les djinns lui étaient soumis. On le sait au minimum, des constructeurs et des gens qui, même, allaient dans les profondeurs de la mer. D'accord D'accord euh, et et d'autres qui étaient, comment s'appelle, euh, euh, enchaînés. Et euh, donc, euh, Dulkarin peut-être Salomon. Donc, Salomon avait Tamkin. Donc, euh, on sait que Salomon, il avait un tapis. Il disait qu'il pouvait, avec le vent, le vent le poussait, il pouvait euh, se déplacer où il voulait sur la terre. D'accord Et il dit, en parlant Dulkarin, Dieu ici dit Nous lui avons donné sur toute chose un sabab. Sur toute chose, sababa. D'accord Donc, les sababa. Donc, ça veut dire qu'en fait, on lui a donné le pouvoir d'atteindre toutes les choses. Il n'y a pas une chose sur terre qui est impossible pour Dhul Qarnin, car Allah Azzawajil lui a donné ce pouvoir-là. D'accord C'est une voie pour atteindre tel et tel objectif. Donc, Dieu continue. Il dit sababan. Donc, comme il s'appelle Dhul qu'est-ce qu'il a fait Il a suivi les sabab il a suivi des voies, d'accord. Donc Sabab, euh, euh, en général, quand on parle de Souboul, Sabil, c'est une voie terrestre, d'accord. Euh, sabil, hein, c'est une voie, mais c'est une voie par la terre, une voie terrestre. Sabab, c'est une voie, soit céleste, soit maritime, soit terrestre, soit maritime, d'accord. Donc ici, euh, je ne peux pas m'arrêter à tous les détails et essayer de comprendre tout on va dire, euh, de manière très détaillée parce qu'on ne le sait pas, d'accord Donc, on ne sait pas quel était le sabab que Dieu a donné, comment ça s'appelle, à Adul Donc, on peut imaginer carrément que ce soit, comme dans, d'ailleurs ça a été dit, ce tapis qu'avait euh, Salomon qui ramenait, euh, je ne sais pas combien de... Il mettait des choses dessus et il se déplaçait comme ça, hein, euh, 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 ainsi de suite, il se promenait comme ça sur la terre, le vent le poussait, euh, en un mois il faisait je ne sais pas combien de, de, de kilomètres donc on ne sait pas exactement si Salomon ça peut être ça, ça, ça. d'accord donc on ne sait pas exactement donc il utilisait des voies donc il a suivi les voies d'accord ce qui est sûr c'est pas des voies terrestres d'accord c'était pas euh, sur des chevaux c'était pas euh, on s'imagine à l'époque hein. jusqu'à qu'il se présente vers quoi vers Maribah donc euh, le coucher du soleil, d'accord. Il s'est rendu compte que le soleil tarrobu se cachait. Donc le quand on dit c'est euh, c'est quelque chose qui cache, d'accord. Tarrobu, c'est un voile. Donc elle se voilait, d'accord. Elle disparaissait Fayainin hamiatin. hamiatin un rain, c'est un. Comment s'appelle un, Une source, d'accord Source d'eau. Et là, en l'occurrence, ici, c'est une source euh, boueuse, d'accord Mais avec une odeur particulière. Pourquoi je dis ça Parce que les Arabes, quand ils disent. Euh, euh, je crois qu'ils disent Hama al-Bir. Hama al-Bir. C'est que le, 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 le puits, il reste n'y il a plus d'eau, il reste. Qu'est-ce qui reste au, au fond De la boue noire qui a une odeur. D'accord Donc les termes en arabe sont importants. Chaque terme indique quelque chose. Donc c'est-à-dire que c'est une, une source boueuse. D'accord Ensuite, il y a trouvé là-bas un peuple. Voilà. Donc on va s'arrêter quelque temps ici. Donc, Donc il a suivi des voies Dieu l'a donné le moyen de se déplacer. Il lui a donné le pouvoir sur la terre, il peut aller où il veut. Aujourd'hui, tu peux pas aller où tu veux. Il y a des endroits, apparemment, où des avions n'ont pas le droit d'aller, c'est interdit, on ne sait pas pourquoi. Mais euh, euh, à l'époque de Dolkarnein, ce n'était pas impossible. D'accord Donc Dolkarnein Al pouvait aller, comment s'appelle Où il voulait. D'accord Et donc, comment s'appelle euh, Comment s'appelle euh, euh, donc, il pouvait se déplacer où il veut. Et Zulkarnen, il va où Il va là où le soleil se couche. D'accord Donc, si on regarde sur un plan terrestre, là où le soleil se couche, mais aussi qu'on se base par rapport à un, un réseau, comment dire, on se base par rapport à un, à un fuseau horaire particulier, d'accord euh, Sur lequel on peut se baser pour le, le, le coucher du soleil et le lever du soleil, on se rend compte. Que je ne vais pas tout raconter ici, mais des personnes ont déjà fait des recherches avant moi, que c'est possible que ce soit dans les îles d'Hawaï. D'accord? Donc, dans les îles d'Hawaï, là-bas, le soleil se couche, d'accord Et euh, euh, c'est vraiment le, là où vraiment on voit le coucher du soleil. Le, le, le point le plus, euh, euh, on va dire le, le point terrestre le plus loin, on voit le coucher du soleil. Et euh, comment s'appelle Quand on dit que. Le, le, que que euh, Dolkarnein a vu le coucher du soleil, c'est. Les ulama, ils expliquent ça et disent que Wajada, c'est une, une interprétation personnelle. C'est ce que lui, il a vu de ses yeux, lui, selon sa vision à lui. C'est Dolkarnein qui raconte comment il a vu le soleil. Donc, quand il a vu le soleil, il l'a vu en train de quoi De euh, se, se, dé, se voiler en plongeant dans quoi Dans une source boueuse, une source boueuse, d'accord Boueuse et en plus peut-être noire, la boue noire comme avec l'histoire de, de, du puits, d'accord Une source boueuse. Donc, euh, ce, qui, ce qui pourrait être le plus logique par rapport à ça, c'est qu'il se trouve dans les îles d'Hawaï, dans une des îles, on ne sait pas lesquelles, et qu'il y a des volcans sur cette île, d'accord les volcans, vous savez, commencer. Il y a des euh, dans un volcan, bah, il y a des. Euh, ça fait comme une forme d'un œil, comme ça, une ouverture, d'accord. Il y a des sources, une source qui sort. Comment s'appelle de ces volcans Et euh, la, la comment s'appelle la source Ça peut sortir, elle peut être euh, euh, brûlante, comme elle peut être boueuse, d'accord. Vous savez, il y a, ça fait comment s'appelle ça, euh, ça fait de la boue. Et d'ailleurs, j'ai fait quelques recherches sur ça. Dans les îles d'Hawaï, il y a le Mata Vanu, c'est un volcan actif sur l'île de savai dans les Samoa. L'île Samoa, il s'élève à 575 mètres. Et il est dit là-bas, quelqu'un qui est parti là-bas à la fête de constatation, il dit, la boue, donc, lui qui, qui parle, hein, il dit, la boue, donc, les émanations gazeuses du volcan lourdement chargées en soufre. Vous savez que le soufre, ça pue. Et autres minéraux sont, paraît-il, très bonnes pour la peau et pour la santé. Soit, soit. Il convient d'enfiler un maillot de bain que l'on n'aime pas trop avant de s'en plonger dans le bouillon de culture, en prenant garde de ne pas marcher sur une fumerole. L'eau boueuse est à environ 35 degrés et l'odeur finalement loin d'être insoutenable. Donc c'est une odeur qui est mauvaise. Elle n'est pas insoutenable, mais elle est mauvaise. Les mains partent à la recherche des bouts lorsqu'on l'étale sur sa peau avant de se laisser sécher sur une bonne vingtaine de minutes. Donc c'est juste pour dire voilà que il est fort possible que Dolekarnain, ce qu'il a vu, c'est le soleil. Comment s'appelle Se voiler. Euh, comment s'appelle L'image qu'il a eue, c'est quoi C'est euh, une source d'eau boueuse, noire, avec une forte odeur, Hamia, Ainin Hamia, et le soleil se dévoiler, se voiler derrière. Donc on sait que, comment s'appelle La Terre, elle tourne, comment s'appelle Autour du soleil. d'accord Le soleil lui tourne au centre de l'univers, au centre de notre, de notre univers. Et comment s'appelle C'est pour ça que. Euh, 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 on a l'impression que le soleil ne rentre pas, bien sûr, il ne va pas rentrer dans une source, il ne va pas rentrer dans quelque chose de. C'est juste une impression de ce qu'on voit. D'accord Vous allez voir par la suite, ce n'est pas fini. Il y a quelque chose qui va prouver ça. À l'opposé. Si vous avez des questions, Inch'Allah, vous les posez après. Et après, je vous répondrai. Barqallah C'est mieux, parce qu'après, ça ne me perturbe pas quand j'explique ce que je veux. J'explique je, bien ma vision, après on, on en discute, on en débat, il n'y a pas de problème. Donc, euh, donc, il dit voilà, Dieu, il, donc il rencontre un peuple là-bas, donc ça peut être les îles d'Hawaï, ça peut être un autre point, mais où, là où le soleil se couche. Donc le soleil se couche où À l'ouest, on est d'accord Et le, le soleil se lève où À l'est, d'accord Comment faire pour, se, pour euh, retenir cette chose-là Quand vous dites se lever, il y a un E dans le, 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 le verbe lever. D'accord Donc, eux, ça vous pensez à est. Et dans coucher, il y a le haut. Dans le, le mot coucher, verbe, ça vous fait penser à quoi À l'ouest. D'accord Donc, le soleil, il se couche où À euh, l'ouest. D'accord Donc, il est parti là où le soleil se couche. Il a rencontré un peuple. Un peuple. Un peuple comme un autre. D'accord Alors, Dieu lui a dit soit tu châtis. Soit soit bon avec eux, soit châtier. En fait, ça va dépendre. Et le a dit, Celui qui est injuste, ce qui est injuste, eh ben on va le châtier. Ensuite, il ira vers son Seigneur qui le châtiera encore plus. Donc déjà, on sait que celui de le c'est quelqu'un qui avait Tamkin sur l'Ard, c'est-à-dire qu'il avait l'établissement sur terre, mais il avait la particularité de quoi D'être juste. Ça, ce n'est pas donné à tous ceux qui ont le pouvoir sur la terre. Alexandre le Grand, ainsi de suite, d'accord Il n'y a pas 50 000 personnes dans l'histoire de l'humanité qui ont eu le pouvoir sur la terre et qui a été juste. Nous, on sait que euh, Salomon, David, étaient des rois justes. Mais Salomon a eu ce tamkin. Ça, c'est mon avis. Ceux qui croient qu'ils font des bonnes actions, il aura une bonne récompense on lui dira des choses tolérantes des choses faciles accessibles ainsi de suite d'accord donc là, il y a rien de spécial il a rencontré un peuple il a dit voilà il y a, il y a pas plus d'éléments sur ça c'est-à-dire que c'est pas important cette information n'est pas importante il est parti là où le soleil en fait on dirait que on, on a l'impression que essaie de comprendre c'est quelqu'un qui lui donne la terre en héritage tiens la terre vous quand on vous donne par exemple si je vous donne par exemple euh, euh, je ne sais pas moi je te donne par exemple un terrain de 1000 hectares, de 5 hectares, qu'est-ce que tu vas faire La première chose que tu vas faire, c'est ça t'appartient. Tiens, visite-le. La première chose que tu vas faire, c'est de vouloir te connaître tout ton terrain. Tu vas le visiter, tu vas visiter de est en ouest, de nord en sud, ainsi de suite. Donc, on a l'impression que al-Qarnayn, c'est ce qu'il a fait. Il a voulu visiter la terre, que Dieu lui a donné un héritage, et de savoir comment aller aux extrémités. Le reste, il le connaît, mais il, il voulait aller aux extrémités. Et Dieu lui a donné le pouvoir de se déplacer. Ce qui n'était pas donné à tout le monde à son époque. D'accord Donc, ensuite, Dieu a dit qu'après avoir rencontré ce peuple, il a continué encore à suivre des voies. C'est-à-dire qu'il s'est déplacé encore en suivant certaines voies. Voie maritime, voie, comment ça s'appelle, comme un avion, se déplacer en l'air, on ne le sait pas. Un tapis volant, on ne sait pas. On ne sait pas. D'accord Ce n'est pas la peine de targiverser. Tant qu'on n'a pas de hadith, tant qu'on n'a pas d'autres lui-même qui nous le dit, on ne le sait pas. Ce sera que des hypothèses. Mais il faut que ça, ça se tient en fait dans l'ensemble. Balara ici, Là maintenant, il va où Il va vers l'est. Vous savez que si vous prenez une carte, le monde, c'est un globe. D'accord? C'est un globe. Si vous prenez, comment s'appelle le médian, vous tombez euh, en allant en direction de, de, de l'ouest, les îles Hawaï, vous continuez, vous faites le tour, vous risquez de tomber vers où si je ne me trompe pas, vers tout ce qui est euh, Sibérie et ainsi de suite. Vous me confirmez si je me trompe. Si je me trompe, dites-le-moi. Mais normalement, vous tombez dans euh, comment s'appelle euh, l'extrême Orient vers, te, vers cette région-là, d'accord On va dire les plaines de Sibérie, les plaines de Russie ainsi de suite, d'accord euh, Si je me trompe, dites-moi-le. Moi, je pense que c'est ça. Bon. Donc, personne. Si quelqu'un me dit que je me trompe, vous me le dites, parce que j'ai pas eu le temps de faire des recherches. Ça, c'est j'ai révisé ça, euh, allez, une demi-heure 45 minutes avant le, le live ou une heure. Donc, j'ai pas eu le temps de tout, tout, euh, bien tout. C'est juste un, un essai, d'accord C'est juste encore une remise à jour. Et je, je voilà le Japon, mais bah encore mieux. C'est encore mieux. Ça m'arrange encore mieux le Japon. Donc, euh, le Japon, on appelle ça comment Le soleil levant, d'accord Donc, l'extrême Orient, c'est là où le soleil se lève, d'accord donc les îles Hawaï, il a continué tout droit, il ne s'est pas cassé la tête. C'est pour ça que je pense à une voie maritime. À mon avis, il a utilisé euh, le biais d'une voie maritime pour faire ça. Euh, je crois que ça n'a rien à voir avec la Nouvelle-Zélande, non Je crois que c'est pas vers le bas, ça. C'est pas vers le bas, Nouvelle-Zélande. Je crois plus que c'est l'Extrême-Orient, hein, normalement. Quand tu te bases sur une carte... Bon, D'après ce que j'ai vu, normalement, si tu te prends le globe, tu fais le tour comme ça, normalement, tu tombes sur l'extrême-orient. Donc, euh, euh, voilà, bon, je vais continuer parce qu'après, euh, euh, je vous donne mon avis, après, vous faites des, des, des vérifications, j'en ferai plus tard. Par rapport à Hawaï, oui, Hawaï, en prenant le médian et en continuant comme ça, tu fais le tour de la Terre. Al-Muhim. Moi, je dirais le Japon où les gens ont les yeux bridés, ils n'ont pas le voile pour se couvrir les yeux. Bon, moi, c'est ce que je pense aussi. Bon, on continue. Donc, Zulqarnain, euh, il continue à suivre les sababs, d'accord Hatta, Ida, Balara, d'accord Matla'a Donc, si c'est le lever du soleil, le lever du soleil, d'accord Il veut atteindre les deux extrémités. Il veut voir là, le, 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 comment ça s'appelle Le. le, le la terre, on l'évalue par rapport au lever, au coucher du soleil. Donc, il voulait vraiment atteindre les, comment s'appelle, les, euh, voilà, les, les extrémités, d'accord Là aussi, pareil, il spécial un « qawm ». Comme quand il est parti où il y avait le coucher du soleil, il a trouvé un peuple. Là, ici, il s'est rendu compte que le, le, le soleil se levait sur un peuple. Comme tout à l'heure. Euh, d'accord Simplement, y a pas eu, ils n'ont pas de, un citre, quelque chose qui les, les voile, quelque chose qui les protège, euh, une montagne, des montagnes, quelque chose entre le soleil. Le plus logique, c'est qu'entre eux, le soleil, d'accord Quelque chose de physique, hein parce que ça ne peut pas être, à mon avis, autre chose, sinon le soleil ils les aurait brûlés. D'accord C'est une montagne. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de montagne. Donc, moi, j'en déduis que c'est des plaines. J'en déduis aussi que c'est peut-être les plaines de Sibérie. Vous comprendrez pourquoi. Donc, il est dans des plaines. D'accord Les gens, tout de suite, quand le soleil ils le voit, il se lève, il le voit. Voilà. Donc, euh, en tout cas, dans l'extrême-orient, où exactement Je l'ignore et ça ne m'intéresse pas. Que ce soit le coucher du soleil, le lever du soleil, où c'est exactement, ça ne m'intéresse pas parce que euh, se déplace. Donc, là, il y a le soleil levant. Ensuite, Ensuite, il dit Ainsi, comment s'appelle Nous savons, hein, nous avons toutes les informations. Dieu est dit Toute information sur ce que Dulkarnin fait, sur son déplacement, là où il va, ainsi de suite. Ensuite, il dit Donc, il s'est déplacé trois fois. Une fois pour aller par le coucher du soleil. Du coucher du soleil, il n'a pas fait demi-tour il a continué. Donc, il a contourné. Et il s'est retrouvé d'extrême-orient de jusqu'au lever du soleil et il a continué à avancer un peu. Je dis un peu pourquoi Parce qu'il dit Et là, il s'est retrouvé entre quoi Entre deux cèdres. D'accord Entre deux. Sorte, une sorte de grand barrage, on va dire. D'accord Et Dieu va nous expliquer par la, par la suite C'est deux cèdres, c'est quoi C'est deux cèdres, en réalité, c'est euh, deux sortes de barrages, mais en fait, c'est des montagnes. C'est deux, cha deux chaînes montagneuses. Qui sont l'une en face de l'autre, qu'on appelle as fein D'accord Et c'est comme euh, une sorte de oued. Vous avez dans un Oued, quand vous avancez dans un Oued, qu'est-ce qui se passe Vous êtes en entre deux barrières. Bein assad D'accord Donc il y a un sed à votre droite, un sed à votre gauche. Un Oued, c'est ça. Donc une sorte de grand Oued. Et ce Oued, d'accord De part, en, euh, que ce soit à droite ou à gauche, vous voulez, il y a que des chaînes montagneuses qu'on ne peut pas traverser. D'accord Mais si on suit ce oued et eh ben euh, il y a un moment où il y a une ouverture qui donne sur d'autres pays. D'accord donc d'accord il a trouvé encore un autre ou vers ce d'accord là où à l'extrémité vers le web, qui se rejoint ou à un point où il y a une ouverture il y a une chaîne montagneuse où il y a une ouverture essayez de bien comprendre ce que je dis il a trouvé un peuple ce peuple a une particularité ils ne peuvent presque comprendre aucune parole, aucun discours. al fiq yafqahoun, c'est la compréhension. D'accord al fiq ce n'est pas nécessairement ne pas parler. La D'accord La yafqah, quand on dit la yafqah, c'est qu'on ne comprend pas. al fiq c'est la compréhension ici. D'accord Donc c'est-à-dire si je parle avec quelqu'un, je dis la shay'a. ne comprends rien. Chez les arabes, al fiq c'est la compréhension. Après, ça a pris une tenue, dans le ruf, ça a pris une tenue, une, une autre euh, comment s'appelle teneur, mais un autre sens. Mais ici, c'est ce qu'on appelle le sens chari, d'accord. Mais ici, c'est le sens linguistique. Donc ces gens, ils comprennent pas, d'accord. Voilà, ils sont un peu, ils ont le cerveau un peu bouché, d'accord. Et euh, les peuplades qu'il a rencontrées, comment s'appelle dans dans Suède, en se déplaçant, ils ont dit ya d'Orkney o d'Orkney. Non, excusez-moi, c'est pas ça. C'est quand Dukkarnine l'a dépassé, donc il est arrivé dans chaîne montagneuse avec un passage. Il est rentré dans le passage. Il y avait des peuples. En fait, c'est plusieurs pays. Par la suite, je vais vous dire c'est quoi ces pays. Khalouya Dukkarnine, O Dukkarnine, Inna Yajouj Gog et Magog, Mufsiduna fil Ard font comment ça s'appelle Sem la corruption al-Faced sur la terre. D'accord, fil Ard. Donc quand on dit fil Hard, ce n'est pas nécessairement dans toute la Terre entière, mais c'est là où on se trouve Phil Hard, sur la Terre, où nous nous trouvons, nous, c'est eux qui parlent. Il faut bien contextualiser la chose. Est-il possible si on te donne, nous, comment ça s'appelle, euh, euh, de, de l'argent Écoutez bien ce que je dis, suivez-moi bien. On te donne, comment ça s'appelle, euh, de l'argent, ouais, de des biens, ainsi de suite. Est-ce qu'il est possible que tu crées entre nous et eux, bainahum sadda? Ici, pour comprendre sadda, sadda, c'est un, mur. Pour comprendre ici sadda, parce que sadda a plusieurs sens. Dieu encore a dit wa jālna bainahum sadda. Wa jālna Wajarna euh, subhanallah, beaucoup... Dieu il dit qu'il a mis un mur entre eux et derrière eux, ils ne voient rien. Donc là, c'est un mur qui n'est pas euh, euh, physiquement visible. C'est dans une autre dimension. Ça, c'est entre nous et les démons, nous et les mécréants, et les mécréons, ainsi de suite. Ça arrive plusieurs fois. Dans certaines circonstances, mais là c'est un autre sujet. Donc sed, il a plusieurs, ça peut être un mur physique de pierre, ça peut être un mur comme ça, style vous voyez pas dans une dimension, ainsi de suite. Un voile. Et ici, pour comprendre le sed, c'est quoi Il faut revenir juste avant, en arrière. Il est arrivé entre quoi Entre deux sed. Et j'ai expliqué sed, c'est quoi ici C'est deux chaînes montagneuses, deux longues chaînes montagneuses. Donc c'est-à-dire que le sed ici, c'est un sed qui est censé être de pierre. Comme, comme, comme de la roche, comme une montagne. On est bien d'accord. Donc ils disent, crée-nous un cède Comme ça, ces peuplades de Gog et Magog qui font la corruption sur Terre, parce qu'en en fait, qu'est-ce qui se passait Dans ces plaines de Sibérie, il euh, euh, y, y a une peuplade, les Mongols, comme, Dieu les décrit, comme le professeur me l'a décrit, décrit, euh, décrit, avec des têtes martelées, ainsi de suite, qu'est-ce qu qu'ils faisaient Ils allaient dans les pays avoisinants et ils, ils allaient, comment s'appelle, euh, euh, faire du mal aux gens. Mais euh, ces Mongols étaient possédés par qui Par des démons. Ils étaient possédés par qui Par des démons. C'est pour ça que là, non seulement ils étaient barbares, non seulement ils étaient sauvages, non seulement ils étaient euh, euh, des tribaux comme les hominidés et ainsi de suite, et ils avaient la particularité de quoi D'être possédés. Ils comprennent aucun discours. Il n'y a pas moyen de parler avec eux, leur expliquer, craigner Dieu. Ça ne se fait pas. Ils comprennent rien. Ils ne comprennent rien du tout. Tout est tout et tout est tout et c'est tout. Comprenez que ça. Al-Mohim. Là, on va voir dans. Il euh, y a une vidéo sur Internet où des frères, et je vous, je vous donne le lien tout de suite, mais je vous conseille de la regarder après pour bien comprendre avec euh, à la lumière de ce que J'avance ici. Je vous donne le, le lien. Donc, pour en revenir ici, dans la vidéo, vous allez voir, il y a euh, comment ça s'appelle à 1 minute 39. 1 minute 39, il y a une carte. D'accord et cette carte, c'est quoi Cette carte, c'est l'Empire abbasside qui a envoyé quelqu'un qui s'appelle Sulayman At-Turjoumani, Salomon le, le traducteur, pour lui dire Va nous chercher, comment s'appelle, selon les éléments qu'on a. Donc, ça veut dire que les compagnons avaient des éléments, les, les Abbasides, ainsi de suite. Va nous chercher la barrière de Gog et Magog, elle se trouve où D'accord Le radme qu'a construit euh, Dolkharnein, va nous le chercher, se trouve où D'accord donc, comment s'appelle Il va chercher, il va fouiner avec une armée, avec un petit groupe de guerriers, et ils arrivent à retrouver le, comment s'appelle, le, le CED qui a été construit ici par Dr qui est peut-être Salomon. Ils le trouvent, et euh, comme je vous dis ici, là où il y a le, 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 le point qui représente le cède construit par Gog et Magog, on voit qu'à côté il y a quoi Il y a le Kirkistan, il y a l'Ouzbékistan. Il y a Bukhara, Khorest, euh, euh, Khoza, Khozastan, le Turkménistan, il y a Sabarkand, il y a euh, la, la, ce qu'on appelle la route de la soie, ainsi de suite, il y a la Chine sur la droite, il y a le Kirghizistan ainsi de suite. Donc, tous les, les, ceux qui sont à la frontière, notamment, surtout le Kirkistan et l'Ouzbékistan, ils ont subi quoi Ils ont subi justement les euh, injustices de qui De Yadjouj et D'accord Ça, c'est mon avis. Et quand vous allez voir la vidéo et vous allez voir que euh, ce CED n'est pas accessible sauf en hélicoptère, même aujourd'hui, à notre époque, il n'est pas accessible qu'en hélicoptère, vous allez comprendre la parole de Dieu par la suite. Donc, écoutez-moi bien. Et après, euh, c'est peut-être pas facile à comprendre pour tout le monde, mais vous allez voir. Après, il y a mon livre, je vous mettrai le lien, ça vous facilitera un peu la compréhension pour ceux qui sont intéressés par le sujet. Et donc, ils ont dit oui, c'est des destructeurs, créez-nous un set entre nous et eux, on en a marre, c'est des gens qui sont dans une plaine, ils se trouvent dans un endroit où il n'y a pas de limite entre eux et le soleil, c'est des gens possédés et ils viennent et comment ça s'appelle, ils nous font de la hagra, d'accord Il n'y a pas moyen de les... c'est des barbares ce que Dieu m'a donné comme c'est une puissance que Dieu lui a donné c'est pas une puissance que lui possède c'est pas quelque chose, t as, t as une arme que tu as créée c'est une puissance que Dieu lui donne par contre aidez-moi avec une force aidez-moi par, par, par comment ça s'appelle de l'armée par, 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 votre, par votre main d'œuvre, ainsi de suite et je créerai entre vous et eux quoi un radm, d'accord Donc un radm, ici, c'est différent de quoi De sed. Sed, c'est un mur comme ça. Et radm, c'est autre chose. Donc moi, je, je, je comprenais pas en fait. Alors je parlais avec un frère, il me disait comment ça se fait que eux ils disent à construit construis un sed et Dolqarnayn, il répond par l'affirmatif, il dit oui, je, vous, je vais vous construire un radm. Je comprenais pas ça, d'accord Un remblai, je comprenais pas. Et en fait, j'ai compris tout à l'heure Juste avant live, peut-être une minute après, c'est quoi C'est que Dolekain est en train de leur faire comprendre non seulement, écoutez bien, non seulement moi avec la puissance que Dieu m'a donnée, non seulement je vais vous construire votre sed qui est sur le plan terrestre, qui est facile. Ça c'est juste terrestrement, on va construire un truc en mélangeant mélangeant comment s'appelle de la roche qu'on va chauffer à une certaine température avec des minerais, c'est très les pyramides quand elles étaient construites, c'est à peu près sur le même système, sauf qu'il a peut-être pas fait avec des minerais, mais ils ont fait pareil. C'est pareil, c'est solide, ça tient sur des milliers d'années, il y a rien d'extraordinaire, d'accord C'est pour ça qu'il y en a qui disent que Dulkarnen c'était Amon, Amon euh, un, un des pharaons, mon essentiel. Et parce qu'en plus il était représenté avec deux cornes. Allahu a'lam la ma et en plus, ils disent qu'il était sur le Tawhid. Bon, ça aussi, c'est peut-être que c'est quelqu'un qui était un des. Comment s'appelle Des euh, que, qui était sur le Tawhid à l'Égypte antique, ils ne l'ont pas suivi, ainsi de suite. Bon, ça, c'est encore un autre sujet. C'est euh, une hypothèse qui tient la route pour moi. Les deux hypothèses qui tient la route, Salomon, après, c'est Hamon. Mais moi, je pense je penche plus pour Salomon, euh, preuve du contraire. Mais c'est une piste à creuser. En tout cas, ici, il, euh, il leur dit voilà. Il n'y a pas de problème, votre sed, je vous le construis. ma écoutez bien ce qu'il dit. Ce que Dieu m'a donné, c'est encore mieux. C'est ça la clé ici. Ce que Dieu m'a donné, c'est encore mieux que ça. Mieux que votre sed. aidez-moi et vous allez voir. el Non seulement je fais votre sed, mais en plus je mettrai entre vous et eux un radm. Pourquoi un radm Parce qu'ici, il faut bien comprendre que ces créatures qui ne comprenaient rien et qui se met comment s'appelle la zizanie sur la terre, une partie de la terre, ce sont des gens possédés. Ils vivent en cohabitation en annexion avec les démons. Quand on dit juge et juge il y a une relation de feu là-dedans, le soleil, le feu. Où est-ce que je veux dire Djouj, c'est quoi C'est quelque chose qui est, qui brûle incandescent. juge c'est quelque chose qui est allumé qu'on a allumé. D'accord et euh, euh, j'avais expliqué, et on va expliquer ça par la suite, que pour moi, Magog, c'était des gens qui étaient possédés par euh, les démons, qui vivaient en annexion avec leurs démons. Aujourd'hui, pour moi, tous ceux qui sont à la botte du Nouvel Ordre mondial, par exemple, vivent tous avec un démon qu'ils ont en annexion. Et ça s'explique par beaucoup de choses. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est super long et on en parlera dans la, euh, par la suite. Là déjà, on essaie de suivre la chronologie pour que vous compreniez le tout. D'accord, des gens, ils il connaissent mon avis déjà sur la question. Donc il dit c'est pas un problème, ce que Dieu m'a donné, ma encore mieux, non seulement je fais votre sed, mais en plus je vais faire un radm. Donc c'est à dire que non seulement je vais enfermer les je vais séparer les démons des humains parce que je vous dis que c'était une possession, une annexion, c'est quoi Quand tu vois un mec qui est, qui est possédé, qui vit en ce qu'on appelle al-muqara al ça existe, ça hein, c'est pas une invention de ma tête, Dieu encore il dit euh, celui qui s'écarte du rappel du miséricordieux, nous lui annexons un démon. Ça sera un parallèle. al Karine c'est quoi C'est le parallèle. Un -qarine. et vous avez encore il y a beaucoup de choses qui tournent autour de Karine parce que Karine ça ressemble à quoi Ça ressemble à cornu, à carne D'accord Karn, c'est quoi C'est deux. Un, d'accord C'est euh, comme les deux doigts de la main, Des... qui se séparent jamais. D'accord Deux parallèles. Donc il y a beaucoup de, vous allez voir, il y a beaucoup de choses comme ça, des petites coïncidences comme ça qui ne sont pas anodines dans le sujet, même si on ne repose pas toute la tête sur ça. Donc il dit, je vais vous faire un cède un, un, un pour les humains, ces sauvages, on va les empêcher de vous attaquer. Et les démons, moi je m'en occupe parce que Dieu m'a donné le pouvoir. Et ceux qui me disent mais comment Dieu peut, comment Dieu peut donner le pouvoir à, comment appelle, à, un, à un humain sur les démons, sur, les, sur ces gens-là, eh bien, ce n'est pas compliqué. Salomon, Salomon avait le pouvoir sur les démons. Alors je vous expliqué. des démons Des, 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 des djinns travaillaient pour lui. Ils construisaient euh, son temple, ils construisaient des effigies, des statues. Euh, ils faisaient, comment ça s'appelle, beaucoup de choses. Euh, ils allaient plonger dans l'eau pour chercher peut-être des, des joyaux, ainsi de suite. Euh, euh, ils construisaient. J'ai oublié le verset, mais euh, beaucoup, beaucoup de, il y a beaucoup de sortes de démons comme ça qui étaient au service. De Salomon. C'est pire qu'une seule possession, c'est une fusion avec soutien mutuel. Oui, c'est ça, c'est pire, c'est euh, bibard. Nous en profitons les uns des autres, donc il y a une entraide, d'accord C'est carrément une, une, une entraide euh, entre démons et humains, d'accord Donc il dit il n'y a pas de problème, je vais vous construire un radm, un radm Pourquoi Pourquoi c'est différent de Ced? Parce que euh, les démons, vous pouvez les enfermer que dans une autre dimension, c'est-à-dire un vortex par le biais d'un vortex, et ce vortex il faut le boucher pour empêcher que ces gens-là sortent c'est pour ça qu'on parle de radm ici et non pas de sed le, le meilleur mot qui est adapté pour ça c'est radm vous allez me dire oh, mais c'est bizarre ce que tu dis vortex, euh, dimension, vous allez voir on va en venir tout ça, c'est pas fini donc il dit Zubara al-hadid Zubara al-hadid, on sait pas c'est quoi exactement euh, c'est peut-être un alliage spécial de fer il ils disent que Zubara en arabe c'est juste une partie comme on dit zubour. Par exemple, que Daoud a eu les Zabour. Zabour, ils disent que c'est juste une partie du Coran qu'il avait. Une partie, il avait avec lui une partie du Coran en arabe en plus. Et euh, c'est ce que dit Bachar bassam dernièrement, d'ailleurs. Et euh, donc, ils disent que Zubar al-Hadid, c'est une partie de fer. Donnez-moi un peu de métal. Bon, moi, je pense qu'il y a quelque chose, il y a un alliage dedans spécial. Atuni Zubar al-Hadid, lorsqu'il a, comment s'appelle, il a, comment s'appelle, il a, il, il, il a il arrivait à l'endroit où il y a l'égalité entre les deux fronts de montagne, d'accord C'était là où il y a le passage dans l'Oued, d'accord Où il passait justement les tribus mongoles pour l'attaquer, ceux qui étaient en Ouzbékistan et au Kirghizistan, Bain pensait à deux flancs de montagne l'une contre l'autre, ça d'accord Il a dit, donc faites souffler le feu sur le métal, ainsi de suite. Ensuite, on va le faire couler sur, comment ça s'appelle Ils ont rempli sûrement ce flanc de montagne. Ce flanc de montagne à l'époque, pour faire des choses extraordinaires à l'époque. Hein. Regardez les pyramides, il n'y a pas besoin d'aller loin. Donc, ils remplissaient ces deux flancs de montagne avec de la matière rocheuse, ainsi de suite, qui faisait chauffer à une température et ça faisait, comment s'appelle Quelque chose de solide qui contient, à la différence des pyramides, qui contient dans la roche de la pyramide, c'est solide. C'est le même principe كون لدي فغون أهمن يا هامان ابن لي يا هامان ابن لي صرحة يا هامان همن أو قدي لي أو قدي لي على أو قدي لي يا همن قدي لي جوبلي الفرصة. في ما شوفى sur de l'argile. et construis moi une tour d'accord donc construire euh, il a fait les pyramides à partir d'un procédé aujourd'hui c'est presque reconnu qui a une, une sorte d'argile qu'on a fait chauffer haute température avec ainsi de suite un procédé qui fait que ça fait une roche super solide d'accord bon ici c'est le même sujet c'est le même je peux pas m'arrêter sur toute chose je vais m'écarter ensuite de suite donc ils, ils ont fait ça donc il a il a insufflé ils ont fait fondre dedans des, des, des comment s'appelle du métal ainsi de suite si ça vous étonne ce que je dis regardez la vidéo que je vous ai donnée tout à l'heure Hein, deux, trois messages en arrière. Regardez la vidéo, vous allez voir. Ils sont partis en hélicoptère au sommet de ce ramble, de, de de ce, comment de ce mur, hein, de ce barrage. Il, euh, le, le détecteur de métal, eh ben, il sonne bien, d'accord. Ça correspond, c'est lisse, ainsi de suite. Ça correspond vraiment à ça. C'est vraiment le passage des Mongols vers comment ça les, les, les tribus environnantes, -Salam. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit Il dit famastarau. D'accord Écoutez bien. En fait, là maintenant, j'avais compris, mais maintenant, je vais encore mieux te comprendre parce que maintenant, j'ai compris. La... Allah m'a éclairé sur la subtilité tout de suite. Ça fait des années qu'on se pose la question. Écoutez bien. Allah Le frère, c'est un vrai illuminé. Le frère, il est vraiment frappé du cerveau. al Ici, on a Femasta'u. D'accord Et on a D'accord C'est la, la même racine verbale à la différence que il y a le ta il n'y a pas de ta d'accord et les savants se posent la question pourquoi en fait quand vous regardez ici l'histoire de d'al-Qarin de, 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 de avec Gog et Magog on se rend compte qu'il y a toujours deux choses dedans même Dieu quand il parle par la suite de Gog et Magog euh, il parle un moment de Radm, il y a un moment il parle de Sed à un moment il parle au masculin et à un moment il parle au féminin, on va le voir par la suite ça Qu'est-ce que je viens de comprendre Ici, il a utilisé un verbe santa. Ça veut dire, il c'est-à-dire ils ne peuvent pas le dépasser. Un pas, ils ne peuvent pas passer au-dessus. Là, Dieu il parle de quoi Il parle de la barrière humaine. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas passer au-dessus de cette barrière humaine. Là, Dieu parle de quoi De la première barrière construite, c'est le cède. Et ensuite, Dieu, dans le même verset, dit quoi Dieu, pour te faire comprendre que je parle de deux choses différentes, eh ben, il y a un verbe, la racine euh, verbale, elle est différente. Et ils n'ont pas pu le percer. Un c'est le trou. Dieu, il parle de quoi Il parle du vortex, le, 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 ce qu'a construit Dulkarnin pour enfermer les démons dans un vortex et qu'il a bouché. Les démons ne peuvent pas en sortir. Ils n'ont pas pu le percer. Dieu te fait comprendre dans ce même verset que je parle de deux choses différentes. Je parle de deux choses différentes. C'est pour le 7. Ils ne pourront pas... On, on, c'est clair, cette vous avez une chaîne de montagne. Euh, la preuve, c'est quoi C'est que les frères qui ont fait la vidéo que je vous ai montrée, ils sont allés en hélicoptère. Ils n'ont pas pu y aller autrement. Même à pied, ni en randonnée, ni rien. Ils leur ont dit non, non. Y a pas, il faut un hélicoptère pour aller au-dessus. Il n'y a pas, pas d'autre moyen. D'accord Et euh, comment s'appelle euh, 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 Donc ils ont construit ce, ce set et les tribus mongoles n'ont pas pu. Euh, traverser l'Oued, ils pouvaient plus, et ni traverser, ils n'allaient pas traverser des chaînes de montagnes de je sais pas combien de, 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 de milliers de mètres pour aller. Euh, ils se sont dit c'est mort, vas-y, c'est pas la peine, est être, on, on est perdant, on va aller traverser des, faire des randonnées, on va arriver fatigué pour aller s'attaquer contre qui. Donc ils sont restés dans leur, euh, dans leur truc. En plus, ils n'avaient plus leurs démons, il n'y avait plus lieu d'aller, euh, d'aller comment s'appelle, d'aller. Euh, donc euh, ces démons qui étaient en train de, de les rendre plus sauvages, parce que c'est déjà des tribus sauvages. C'est déjà des tribus euh, à la base sauvages. En Jansiskan, on sait ce qu'ils ont fait quand ils ont réussi à, à, à justement, Et Dieu ici, quand il dit Dieu ne dit pas qu'ils vont, ils vont casser le mur. Écoutez bien ce que je dis, c'est important. Dieu ne dit pas qu'ils vont casser le mur. Ils vont réussir à casser le mur. Non, il dit Ils vont réussir à dépasser le mur. C'est tout. Mais on sait après, par la suite, que quand il y a eu les transports, euh, les transports euh, par la suite, les avions... Euh, euh, je ne sais pas, beaucoup de, il y a eu des, des nouvelles routes qui ont été découvertes, euh, des moyens de locomotion, la, la modernité qui a fait que ben, tout le monde voyage, tout le monde voyage, Khan, ainsi de suite. Donc Jan Khan par la suite, ils ont réussi à s'immiscer dans les, dans, ils ont fait les invasions, ils ont réussi à s'immiscer dans les pays avoisinants. D'ailleurs, ce qu'il a fait, un carnage, et même dans le monde arabe, les Tatars et les Mongols, ils ont fait un carnage par la suite. Et ça, c'est euh, 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 là, ils ont réussi. Euh, à, à dépasser le mur, d'accord, sans, sans nécessairement le détruire. C'est pas important qu'il le détruisent c'est juste en fait à le contourner. Par contre, le vortex c'est autre chose. ils ont pas réussi quoi À percer le radm qui est ce, euh, le, le vortex qui est bouché. Ça, Dieu dans le Coran cite deux verbes, les mêmes verbes avec des formes euh, euh, grammaticales de conjugaison différentes. Pourquoi Pour faire comprendre qu'on parle de deux choses différentes. Ça, c'est une sagesse qu'on utilise beaucoup dans le Coran quand Dieu veut parler d'un même euh, sujet, par exemple, quand Dieu te parle de Pharaon avec Moïse et qu'il veut te faire comprendre qu'il y a deux Pharaons différents parce qu'il y a le Pharaon de Moïse qui s'est noyé, mais il y a le Pharaon d'après la noyade, et ben Dieu utilise la, la, même, euh, euh, la même histoire mais il utilise quoi des mots différents pour te faire comprendre des récits différents, les mêmes récits mais de manière différente, pour te faire comprendre que je parle de deux choses différentes. Ça c'est une sagesse divine, c'est une façon d'Allah Azza wa de parler dans le Coran. Ensuite qu'est-ce qu'il dit? ceci est le miséricorde de Dieu pour vous. Hein? Ça c'est pour vous, c'est miséricorde. lorsque la promesse divine viendra, quand on Quand dit c'est quoi? C'est la fin des temps. rabbi, c'est pas Tatari Mongol. D'accord? l'akhirah, quand on parle de wa'd, hein? quand on dit wa'd, on parle pas de de des Tatari Mongol, quand le prophète il a dit arab min sharin qad malheureux les arabes avec Yamal mal qui arrive? il parlait des Tatars et des Mongols. D'accord C'est ce qui s'est passé. Ça fait un carnage dans le monde arabe. Il n'y a jamais eu un massacre autant pire que ce qui s'est passé pendant la période des Tatars et des Mongols. Lisez l'histoire, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Donc ici, Faïda Jawar, la promesse de Dieu, donc c'est quoi C'est la fin des temps, ça y est, les grands signes, ainsi de suite. Là, il parle de quoi Là, il parle du radm. Il ne parle pas du sed parce que le sed, il n'a pas été détruit. Et il n'y a pas besoin de le détruire. Le sed, c'était une époque, il était efficace, parce que les gens, ils se déplaçaient en chevaux, je ne sais pas quoi. Après, ça a changé, c'était plus efficace après. Les gens ont découvert de nouvelles routes, pouvaient contourner, euh, beaucoup de choses. Donc, c'était plus, euh, comment s'appelle C'était plus, euh, euh, plus viable, c'était plus intéressant. Ça a servi pendant une période. Et la promesse au Seigneur est une vérité. Il y a d'autres versets encore dans le Coran. D'accord, je vais essayer de les trouver, je ne les ai pas devant moi, mais je vais essayer de les trouver par la suite. Ou ceux qui connaissent les versets de Jauge et Majauge", dans les autres versets, je crois dans le al Anbiya par exemple, citez-les moi, comme ça, ça m'évitera d'aller chercher. Ensuite, il dit Donc la promesse au Seigneur est une vérité Dieu. Il dit Donc ce jour-là, quand ils vont être libérés, il Donc ils vont se. Ce, il c'est comme les ondes. Vous avez vu les ondes, on parle de maud, qu'on parle de monde, qu'on parle de vagues, on parle de, de, de maud, l'un sur l'autre. Les humains, quand ils marchent, il n'y a pas un humain qui marche l'un sur l'autre. Donc il ne s'agit pas d'humains ici, on parle de démons. Yamouj ou donc les uns sur les autres. Ou à nous et ensuite on soufflera dans le corps. C'est-à-dire que là on est vraiment vers la fin des temps. Ou à nous on soufflera dans le corps. jama'a. Ce jour-là, on les réunira tous, que ce soit les démons et les, comment s'appelle, et les, euh, les démons et les ins. D'accord Ce jour-là, on va exposer, euh, exposer quoi L'enfer aux mécréants. Ici, il y a une subtilité à comprendre. D'accord C'est que, euh, on va réunir qui D'une part, les démons, les, les démons qui ont fait euh, le char à l'époque de Gog et Magog, ainsi de suite. Et en plus, euh, comment s'appelle euh, Les humains qui ont fait. Le mal. On va les réunir les deux. Quand on regarde les Coran dans le Coran, il y a plusieurs versets qui parlent de ça. D'accord Cette entre-aide. Ainsi, nous avons insufflé à chaque prophète des ennemis parmi les djinns et les ins et les humains. Ils s'insufflent les uns des autres des paroles ornées. D'accord Donc, il y a un contact d'une part entre les humains et le monde démoniaque les djinns dans un autre verset Dieu dit ya ma'shar al »« oh les djinns vous avez ostéklertum min al-ins vous avez abusé envers les ins envers les humains wa wa qala awliya'uhum min al-ins wa qala wa qala awliya'uhum min al-ins et leurs alliés parmi les hommes wa qala awliya'uhum min al-ins leurs alliés Dieu dit awliya leurs alliés parmi quoi Les ins, c'est leurs amis. Awliya, c'est quoi C'est des alliés. C est, c est, on est dans leur camp. C'est ça les awliya. Wali, c'est un ami. Awliya illah ce sont les amis de Dieu. Les alliés de, de Dieu. Donc il dit, al-ins. Leurs alliés parmi les, 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 les humains, on dit, Rabbana istamta'a ba'duna bi Nous avons profité les uns des autres. Istamta'a ba'duna bi Donc nous avons profité les uns des autres dans le mal, dans le péché, dans le ressenti, dans euh, tout ce qu'on voit aujourd'hui, le mec il est là, il fait son petit freestyle, il a un petit démon, il l'aide. L'autre, tu fumes son Tamia, il fait un petit délire, le démon, il l'aide. L'autre, euh, il, il, il vient, il fait de la muscu, il est chaud, il achète, il est en train de gonfler, il se, prend, il, croit, il se croit super fort. Et ainsi de suite, il y en a, ils gagnent de l'argent grâce au démon, il y a la sorcellerie, il y a le, le, la cinématographie, il y a la musique, il y a les hommes politiques. Vous voyez bien qu'il y a une entraide entre le monde des démons et le monde euh, euh, humain. D'accord Donc c'est ça, Aoulia Ohum c'est ça, c'est cette entraide entre le monde démoniaque et le monde. Donc il y a les deux. Et quand les gens vont être en enfer, ils vont dire quoi ?« Rabbana, ô oh Seigneur, arina » Montre-nous les deux. « Qui nous ont égarés. Donc la forme du duel. « Adallana mina al wal-ins » Parmi les djinns et parmi les ins. Parmi les djinns et parmi les ins. « Naj'aluhuma mina afin qu'on les met sous nos pieds. C'est à cause d'eux qu'on est en enfer. « Ramène-nous nous » On va les mettre sous nos pieds. Qui brûlent comme nous. C'est-à-dire que les humains, ils, ils reconnaissent en enfer qu'ils sont faits avoir par deux entités, pas une seule. Al-Ins ou al Jin. Les humains et les Jin d'un autre côté. Il y a deux entités. D'accord Et il y a une entraide en ce, en, entre ces deux entités. Quand on parle de l'antéchrist, lors, lors de la mort, lorsque l'antéchrist va se faire tuer par Jésus, qu'est-ce qui va se passer Déferlement de qui De Gog et Magog. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là, ils sont là. Mais il y a un déferlement. Déferlement, ça veut dire pète une durite. Allez, on se, on se propage contre, on va tous sur ça on l'attaque. C'est bon, on en a marre. cest à ils étaient présents, mais ils n'attaquaient pas. Ils étaient là, ils étaient dans de leur folie, dans leur majeunité. Ils avaient quelques soldats, euh, le DJL avait quelques soldats parmi eux, et ainsi de suite. Mais la masse d'entre eux, quand le déjel, il sera tué, ils vont péter une durite, ils vont déferler. Ils vont déferler. D'accord Tous ceux qui sont dans la région autour de quoi de la Palestine parce qu'on a dit que Issa, avec ses adeptes, fort possible qu'il se trouve où Sur le mont des oliviers. D'accord Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que. Euh, 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 le, le, je voulais dire quoi Je veux dire, quand Jésus descend et qu'il dit euh, euh, à l'armée du Mahdi, Pourquoi vous n'avez pas combattre cet homme-là en parlant d'Antéchrist Qu'est-ce qu'ils disent Vous vous rappelez Les partisans du Mahdi, ils vont dire quoi Ils vont dire Ô euh, 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 oh, oh, oh un tel, innahu Rajulun Jinni c'est un homme djinnique Ils n'ont pas dit c'est un homme tout court, c'est un homme puissant, c'est un homme fort, c'est un homme qui a une force de ouf, qui a une puissance de ouf. Non, c'est un homme djinnique Il a une particularité, il est, il est homme, mais en même temps, il est djinn Donc on comprend qu'il y a, si dans l'antéchrist, qui est leur chef à tous, il y a, euh, comment s'appelle, il y a cette spécificité d'être moitié humaine, moitié djinnique et que quand il va mourir, il y a son armée de Gog et Magog qui vont aller le défendre et le venger. Ça veut dire que l'armée de Magog, hein, ce qu'on appelle mafoumoukhalafa Mukhalafa dans la science du fiqh, qu'est-ce qu'on comprend? Eh bien eux mêmes ils sont composés de pareils moitié djinn, moitié homme. Et quand on dit moitié djinn, moitié homme, c'est pas c'est pas vous me direz oui, mais il y a des hadiths qui disent que Magog c'est des bani Adam. Mais attendez, on ne dit pas le contraire. Euh, comment il s'appelle le Djelusi, c'est un Beni Adam. Il a une père, il a, il, a, il a une mère, comme prophète il a dit. Mais ça n'empêche pas qu'une personne, il a un père et une mère, et il a une partie démoniaque, il a une partie djinnique. Ce n'est pas impossible. Pourquoi Parce qu'il y a une annexion. Et il y a des degrés. Par exemple, il y a des gens qui peuvent être possédés par un, un djinn, par exemple, parce que euh, possession, sorcellerie, ce que tu veux. Mais il n'y a pas de. On est potes. Il n'y a pas. On, on vient, on, on bosse ensemble. Euh, 50-50, non il n'y a pas ça c'est le mec il est là, il ressemble, il fait du dick, il combats il combat, il fait de la ruqya il récite du Coran, il fait des actes de bien donc le djinn il est là de temps en temps, il arrive à le, à le pousser dans le mal, mais ça va pas plus loin il n'y a pas d'entraide, il y a pas d'aide c'est pas amical, mais aujourd'hui tous ceux qui sont sous euh, l'égide du nouvel ordre mondial, tous ceux qui vont se faire pucer par la bête, si c'est une puce ou tatoué par la bête, c'est pas important tous ceux qui seront enchaînés par le nouvel ordre mondial qui seront euh, tous les serviteurs de l'antéchrist euh, euh, du dégel ces gens là seront tous annexés par des démons déjà aujourd'hui c'est le cas moi depuis les années 2000 j'ai déjà dit il y a une annexion démoniaque chez la majorité des gens après les années 2000 pourquoi parce que fusion du monde terrestre avec le monde démoniaque c'est un long sujet si je rentre dedans je ne sais pas à quelle heure on va finir d'accord et qu'est-ce qui va se passer quand il va y avoir l'intronisation vers 2030 avec l'intelligence artificielle ils vont, eux ils vont augmenter l'annexion non seulement déjà maintenant il y a une annexion mais quand il va y avoir l'intelligence artificielle, la virtualité, euh, les robots, la 5G, les ondes 5G et 6G et 7G et je ne sais pas quoi, la léction, elle ne sera pas comme aujourd'hui. C'est pire. Va essayer de discuter toi avec un mec qui est sous le nouvel ordre mondial. Ça y est, il s'est fait bouffer le cerveau par la technologie, l'IA, la mécréance, le coffre. Le mec, il a fait tous les actes d'annexion. Il s'est moqué de la religion, il a été annexé. Il, il a fait du shirk, il a été annexé. Euh, il, a, il a fait l'apologie de tout ce qui est en dehors le tawhid comme la démocratie, tous ces trucs-là, il, il est annexé. Va parler avec quelqu'un comme ça. Là, il y Tu pourras pas discuter avec lui. Pourquoi Parce qu'il ne pourra comprendre aucun discours. C'est mort. C'est mort. C'est fini. tu peux venir te lui dire Mais non, il y a al-Isa, euh, mahdi je ne sais pas quoi. Haqba. Non, non, non. parle pas avec moi, cousin. moi euh, Moi, c'est bon, revenu universel. Euh, la, 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 comment s'appelle la 5G cousin c'est une fitna les jeux de ouf euh, hologramme euh, parle même pas avec moi je peux faire des combats je chante comme ça je mets un casque je le mec c'est fini parle lui tu peux plus lui parler déjà aujourd'hui les gens ne sont pas concernés mais ça sera pire ça sera pire ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un camp parmi les gens réveillés il y en a déjà un camp de dissidence parmi les gens réveillés ainsi de suite quoique y a derrière il y a encore une douille derrière et ça c'est un autre sujet mais il y a comment ça s'appelle une dissidence, des gens qui sont qui veulent vivre dans la campagne, qui veulent vivre loin de tout ça, de manière naturelle. Et ces gens-là, vous remarquez, ce sont des gens qui ne sont pas comme les autres. Quand vous parlez avec eux, ils comprennent. Et pourtant, ce sont des mécréants. Quand vous parlez avec eux, ils comprennent. Parlez avec eux, je sais pas, tu parles de beaucoup de choses, ils disent oui, c'est censé, c'est vrai, tu as raison, c'est l'inéité. On, on a une chose en particulier, c'est quoi C'est l'inéité la fitra. Mais les gens qui font partie d'une ouverte mondiale, qui sont à l'exemple de Gog et Magog. Euh, parce que ça y est, ils sont là Djouch et Majouch qui sont, comme j'ai dit une annexion, euh, une sorte d'entraide et une sorte d'annexion entre démons et, comment ça s'appelle et humains ils n'ont plus de fitra, c'est fini la, la linéité, elle n'existe plus elle, 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 leur cœur, s'est il, 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 fini Il ne signalent plus leur cœur, il n'est pas là pour leur dire ce que tu fais c'est bien, c'est pas bien euh, on y va doucement, là, là pour l'instant c'est pas très grave, mais ça va être pire déjà après 2000 c'était grave, mais ça va être pire ça va être pire avec la technologie, avec les ondes, avec tout ça. Je ne sais pas ce qu'ils vont, ils sont en train de trafiquer, mais euh, ça va se renforcer. D'accord L'alliance envers la dabba, envers comment ça s'appelle L'Antéchrist va être pire. D'accord euh, Donc, dans les autres versets, c'est quoi Et interdit à une carrière, euh, euh, donc à, à, une, à un village, ainsi de suite.

Ah, je vais trouver un truc intéressant en plus. Je viens de trouver quelque chose d'intéressant. Alors, c'est où C'est où, c'est où Ah, Ajib. Ajib, Ajib, Ajib. Ajib. Ajib, Ajib. Je n'avais jamais fait attention. En admettant que c'est là-dedans. Mais normalement, c'est là-dedans. Patientez un peu. Faites une petite pause café. C'est où, c'est où, c'est où, c'est où, c'est où, c'est où c'est où Ah j'espère que c'est là-dedans. Si c'est pas là-dedans, ah je me trompe. Mais normalement c'est là-dedans. Ah ben je me suis trompé alors. Je pensais que c'était là-dedans. Excusez-moi. Non non c'était ça c'est ça c'est bien ça. Allahou Akbar voilà. Allahou Akbar j'ai pas fait attention mais je vais encore découvrir quelque chose. Vous allez me dire purée mais c'est le mec il est il est comment s'appelle. Bon, de toute façon, pas... Il n'y a rien de... Y a rien de satanique là-dedans. Inch'Allah, c'est Inch'Allah angélique, on l'espère. C'est la baraka du ramadan. Mais bon, en tout cas, il euh, n'y a rien d'extraordinaire non plus. Mais euh, vous allez voir. Vous allez voir. Bon, J'espère que vous me suivez encore. Alors... Regardez, déjà, regardez. Vous vous rappelez tout à l'heure quand je vous ai parlé du WAD wa Essayez de revenir à ce que je vous ai parlé tout à l'heure euh, quand je vous ai parlé tout à l'heure du WAD. Wa vous vous rappelez, j'ai dit le WAD, wa c'était la promesse de Dieu sur les signes de quoi de la fin des temps. Vous vous rappelez quand j'ai parlé Donc Dieu va euh, comment s'appelle le jour-là il mettra en miette le vortex. D'accord. Euh, ici on est dans la al Anbiya. La sourate Anbiya, c'est la sourate des prophètes où justement on parle de quoi de Gog et Magog. D'accord. Après la sourate Al-Kahf. Donc il dit Dieu que l'homme a été créé de quelque chose de rapide. D'accord. Il, il est toujours précipité. Ne soyez pas pressés, Vous allez voir mes signes. ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين مي كون الي تا بروميس متى هذا الوعد كون يا سيت سيت بروميس لا الوعد ان كنتم صادقين سي si vraiment vous êtes véridique. Dieu dit لو يعلم الذين كفروا سي لي 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 ميكريون سافي حين لا يكفون عن وجوههم النار lorsqu'ils ne pourront pas se protéger de, du feu euh, de leur visage ولا عن ظهورهم ني دو leur دو ولا هم ينصرون et nul Euh, comment s'appelle Yon nulle victoire ne leur sera donnée. Il n'y aura pas de soutien. Mais ça va leur venir par quoi Par surprise. Ils ne vont pas s'y attendre. Ça va les surprendre. Ils ne pourront pas la repousser. Ils ne pourront pas attendre. Il n'y aura pas de, de délai. D'accord Et Dieu dit, on s'est moqué de mes messagers, ainsi de suite. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a On continue. Dans la même écoutez bien, on parle d'Ibrahim qui a détruit les idoles. Le Tawahid, Allah Ibrahim. Ensuite, on a al Imran. Vous vous rappelez de ce qu'on a parlé hier Il le jette dans le feu, Ibrahim. A Dieu parle de la imma wa ja imma bi amarina", ceux qui suivent les prophètes adamiques, parmi la, euh, ceux, bi ceux qui ont la certitude et qui patientent, Dieu en a fait un Aïma, des imams, des guides. Qui guide avec notre ordre. Nous l'avons guidé vers le bien, le faire la salat, faire le zaket. Ce sont des serviteurs. Et qu'est-ce qu'on a dans, dans, dans le surat, Comment ça s'appelle On a Daoud de Sulayman et David et Salomon. D'accord Donc l'histoire du jugement. De, comment s'appelle Quand ils ont jugé, ils ont chacun a donné à une sentence. Dieu a accordé la compréhension à qui À Écoutez bien. Et Dieu a dit, qu'est-ce qu'il a donné euh, 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 à Salomon euh, euh, À David, nous avons donné à Jibel les montagnes. Ils invoquent le Seigneur ainsi que les oiseaux. On lui a appris à fabriquer, comment ça s'appelle euh, Donc il, maît, il maîtrisait hein, la science du fer. Al-Hadid, Zubar al-Hadid. Vous vous rappelez qu'on parle de... Quand ils ont construit le set, il fallait maîtriser ça, le, le fer. Mais David, il savait maîtriser le fer, parce que Dieu dit qu'il a appris à construire les armures. Dieu dit que ce fer, vous protégez de quoi Du mal des gens. D'accord Allez-vous remercier Dieu Et Dieu, il parle de Salomon ici. Dieu nous a donné un vent. Quand je parlais du vent de Salomon, alors je ne savais pas que c'était la même surat que Gog et Magog. Je ne savais pas tout à l'heure. Je viens de l'apprendre maintenant donc Dieu a donné un vent puissant à Salomon. Tejri bi-Amrihi qui se déplace par son ordre. Il al Ard al-Lati qui se déplace vers la terre bénite, d'accord, donc c'est Jérusalem. Jérusalem. Wa kunna bi kulli Shay'in et nous savons toutes choses. Wa min ash et parmi les démons. Là on y arrive parmi les démons. Mani rooson Il y en a qui plongent pour lui. Wa yamaloun amalandouna zalik et font d'autres travaux pour lui. Wa kunna luhum hafizin. D'accord et, et nous sommes pour eux, on les, on les, on les protège, ainsi de suite. Wa Ayoub, ensuite il parle d'Ayoub. Euh, il parle d'Ayoub. Il parle de. Euh, comment s'appelle De Danoun, ainsi de suite. Euh, voilà. Donc tous les prophètes. Les prophètes les plus. Ensuite. Euh, ensuite il dit. Donc « haramun ala qaryatin ahlaknaha » à une contrée que nous avons détruite, « annahum la yarji'un » de ne pas pouvoir revenir. « Hatta idha futihat ya'ajuj wa à l'exception que lorsque sera ouvert Gog et Magog, mais ici Dieu dit « futihat ya'ajuj wa donc de quoi on parle quand on dit « futihat ya'ajuj wa ma'ajuj »?« Futihat » c'est « ont été ouvertes » ouvertes au féminin. De quoi parle-t-on Gog et Magog, ce n'est pas, euh, pas des femmes, ce n'est pas quelque chose de féminin, d'accord Et euh, pour qu'on dise qu'elles ont été ouvertes au pluriel. On avait abordé plusieurs fois dans le Coran, en prend les attributs divins dans les autres lives, que dans le Coran, il y a de la métaphore, d'accord Dieu, quand il dit et interroge la carrière, le village, c'est interroge al interroge. Ceux du village, ici c'est pareil, ou quelque chose qui est semblable à ça, les mondes de Gog et Magog, parce que j'ai dit que c'était un monde démoniaque. Et de toutes les hauteurs, ils vont descendre. Ils vont descendre de toutes hauteurs. Donc ici, euh, c'est fort possible que ce soit, pour moi en tout cas, le plus euh, juste. Le plus logique, le plus comparable avec la réalité, c'est qu'ils sont de toutes origines. Pour pas qu'on dise ah bah, gog et magog c'est les juifs, gog et magog c'est euh, je sais pas c'est les chinois, gog et magog c'est pas juste de dire ça, c'est pas logique de dire ça. C'est pas logique gog et magog c'est une punition, c'est euh, une punition d'avoir suivi l'antéchrist. C'est pas propre à telle et telle euh, comment s'appelle telle et telle euh, telle et telle race tel et tel groupe, c'est pas juste de dire ça, d'accord Les gens ils font le fixer sur les Chinois, certains Chinois ils font flipper, ils font des trucs de fou, ainsi de suite. Mais c'est pas, ça peut être gog et magog. Tout le mal qu'il y a sur terre, c'est pas les Chinois qui l'ont fait. Faut pas oublier que parmi les tribus euh, à l'époque, mongols qui ont fait du mal. Faut pas oublier que dans la région là-bas, vers le Kirghizistan, l'Ouzbékistan, quand on, a, on va vers le, les, on, on, on va vers comment s'appelle, la Sibérie ainsi de suite. Si encore je me trompe pas, parce que je connais pas bien la carte à ce niveau-là. Mais il hein, ne faut pas oublier que les tribus, Khazars, les tribus Khazars, qui sont des gens qui, à la base, ne sont même pas euh, euh, juifs d'origine, ils se sont convertis au, quoi au judaïsme, d'accord Mais ils ont gardé quoi Ils ont gardé leur gène tribal, ils ont gardé leur gène mongol, ils ont gardé leur gène euh, dominidé, d'accord Une personne, quand elle n'a pas euh, euh, le discours adamique, quand elle n'est pas guidée par les enseignements adamiques de, de la famille de Ali Imran, ou à comme on l'a vu, à qu'est-ce qui se passe Eh bien, euh, ça crée des hominidés. Donc les kazars on les voit aussi, hein, on les voit un peu de partout. Ils font un peu aussi une partie du mal. Ils font pas tout le mal. C'est qu'il faut être juste. C'est pas, pas Hollywood qui font le mal de partout. C'est pas certaines têtes parmi les kazars qui font le mal de partout dans la finance, ainsi de suite. Mais c'est une partie du schmilblick. Donc Gog et Magog, c'est mondial de toute hauteur ils descendent ici c'est l'auteur sur le plan euh, comment s'appelle de l'hérédité de, de, sur le plan génétique ils descendent de toute, euh, toute euh, je ne sais pas toute euh, je sais pas comment dire vous m'avez compris et qu'est-ce qu'il dit ici vous vous rappelez tout à l'heure que je parle de il a promis véridique. Arrivera et proche. Et le regard des mécréants et sont estomaqués de leur regard. Nous étions sur une insouciance de ceci. Quand ils vont voir par la suite comment le nouveau monde mondial va les mettre à l'amende et qui va diriger le monde, d'accord, d'une main de fer et par l'injustice. Ils vont dire, nous étions insouciants. On s'est bien fait avoir par le rap, on s'est bien fait avoir par la musique, on s'est bien fait avoir par euh, euh, les drogues, on s'est bien fait avoir par les amusements. On était vraiment dans la rafla, dans l'insouciance, on s'est bien fait avoir. Belkunna d'Alimin, plus que ça, nous étions injustes. Pourquoi injustes Parce qu'on n'arrêtait pas d'accuser les musulmans. Le mal, c'est l'islam, 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 l'islam. Alors que ce qui crée le plus grand mal sur la terre, ce n'est pas l'islam, ce n'est pas les musulmans. Tout le monde le sait. Donc, pour moi, d'accord, euh, euh, l'histoire de Yajouj ou Amajouj, c'est ça. C'est comment s'appelle euh, Des gens dans les tribus mongoles qui sont barbares, qui sont des guerriers, qui ont l'habitude, comme un peu, euh, 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 quand vous prenez des gens qui ne sont pas adamiques, par exemple si vous prenez une partie de Gog et Magog qui sont les Chinois, il faut bien comprendre qu'on n'est pas injuste et qu'on ne dit pas les Chinois, ce sont Gog et Magog et puis stop, et le reste de la terre, machin Non, 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 ça ne marche pas ça. Tout le monde a une part de responsabilité là-dedans. C'est un fléau mondial. Gog et Magog, c'est mondial. Tout le monde a une main là-dedans, dans cette création anti-dieu, euh, ainsi de suite. Quand les gens, les Gog et Magog, vers la fin des temps, vont commencer à jeter des, des flèches vers le ciel et que le Dieu va leur rendre parce qu'ils se croient toujours intelligents et que Dieu va leur envoyer comment s'appelle euh, 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 des flèches va leur envoyer des flèches euh, ensanglantées, vous allez dire on a tué Dieu c'est tellement bête qu'ils sont capables de croire qu'ils ont tué Dieu d'accord et donc ça c'est mondial ça c'est mondial et si vous prenez par exemple euh, les chinois, comme il disait d'ailleurs dans une vidéo, bon, c'est une coïncidence mais il disait par exemple les chinois ne sont pas adamiques ils ne sont pas tenus par le discours adamique. Adamique, c'est on est reliés, nous, par quelque chose. On est adamique, on est, on est tous, en fait, que ce soit Rome, euh, Rome, que ce soit euh, euh, les enfants d'Israël, que ce soit les Sabéens, que ce soit les musulmans. On est liés, qu'on le veuille ou qu qu'on ne le veuille pas, par Abraham, on est lié par Noé. Ça, c'est qu'on le veuille ou qu qu'on le veuille pas. C'est comme ça. D'accord Et on, on, on peut comprendre le discours adamique. D'accord Le discours adamique, c'est quoi c'est ce qu'on a parlé dans la vidéo sur Adam, premier homme sur terre. al Dieu lui a donné, lui a fait comprendre. Dieu lui a donné euh, comment s'appelle la compréhension, comme il a donné à Salomon. on l'a fait comprendre à, 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 à Salomon. Et c'est quoi qui oppose al faham qui est le Fiqh C'est quoi qui est en opposition avec le fam, la compréhension C'est le contraire. L'opposition totale de Salomon. Solomon se retrouve en face d'un homme lui il comprend beaucoup de choses, il est face à un peuple qui ne comprend rien. Là, il y a Ils ne peuvent presque rien comprendre d'aucun euh, discours. Donc, Adamique, il y a euh, Adamique, tenu par un discours religieux, par le sang, par beaucoup de choses, en opposition avec qui Des, des, des peuplades qui sont plus Adamiques. Ils sont plus Adamiques par le sang. Ils ne sont plus adamiques parce qu'ils ne sont pas religieux. Comme par exemple les Chinois, ils n'ont rien à voir, ils ont d'autres religions, ils sont irreligieux, euh, euh, ainsi de suite. Le ying, le yang, je ne sais pas quoi. Hein. Et, et comment s'appellent les gens On avait expliqué que lorsque les gens sortent du discours adamique, ceux qui s'écartent du discours adamique, qu'est-ce qui se passe Ils redescendent, on appelle ça la dévolution et ils redeviennent des hominidés, et se comportent comme qui Comme les tribus barbares parmi les Mongols. D'accord Et euh, 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 c'est comme ça. Donc tous les, ceux qui sont d'origine, qui ont, comment ça s'appelle, des, des gènes de tribus, euh, comment ça s'appelle, Mongols, barbares, ainsi de suite, et en plus, sont des gens qui sont purement démoniaques, comme étaient leurs ancêtres, ceux-là, là, qui étaient dans, ces plaines, dans, qui, dans les plaines-là. Et qui s'attaquaient, il n'y avait pas de de, de, de de limite entre eux et le soleil, il n'y avait pas de protection, et qui s'attaquaient euh, aux tribus avo avoisinantes du Kirkistan et de l'Ouzbékistan, ainsi de suite, et qui étaient euh, ma'djouj, possédés par le démon. Les autres qui sont comme ça sur leur sunnah, on voit ce qu'ils font aujourd'hui. Vous le voyez très bien. Transhumanisme, eugénisme, tous les trucs de fou, c'est eux. Eugénisme, transhumanisme, ainsi de suite. Donc maintenant, ce n'est pas compliqué de comprendre en réalité qui sont Gog hémagogue, d'accord, des allumeurs et des allumés, des possédeurs et des possédés, d'accord, c'est comme ça. C'est mon, mon avis sur la question. Et en plus, je voulais revenir. J'ai oublié de citer quelque chose de, tout à l'heure. Faut que je revienne à la sourate. Excusez-moi, comme ça au moins, parce que j'ai pas tout dit en fait, mais il y a tellement de choses à dire. Quand je parlais tout à l'heure de euh, 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 que Dieu dit, je vais revenir sur le verset. Après par la suite, on, 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 comment s'appelle? On pourra discuter. Donc il dit, alors On te pose la question sur qui? Sur Je vous, je vous fournir un rappel par rapport à qui à Donc il dit, on lui a donné sur On lui a donné tous les sabab. il a suivi les sabab. Donc les c'est quoi? Pour se poser des questions, parce que comment tu fais toi pour enfermer des gens dans un vortex D'accord Il faut que tu aies accès à ça. Mais sabab, c'est quoi sabab Eh bien, le Coran nous le dit sabab, c'est quoi On va voir dans le Coran. Dieu est dit an Allah fid wal ceux qui pensent que le Mohammed, Dieu ne lui donnera pas la victoire, ne le soutiendra pas, ne ne va pas le soutenir dunya wal dans ce dunya et dans l'au-delà bi Dans ce cas là qu'il prend un sabab ilassama, sama qu'il emprunte une voie vers le ciel. Et ici, les savants la plupart disent que c'est une corde. pour désigner une voie parce que il n'y a pas de voie pour aller vers les ils n'ont pas la capacité d'utiliser ces voies là. qu'il utilise une voie, et qu'il coupe cette corde et qu'il coupe pas la corde excusez-moi, et qu'il coupe le lien entre Muhammad wa sallam, et Dieu, falīamdor. Et qu'il observe ensuite, est-ce que ceci, euh, cette ruse-là qu'il va utiliser, en coupant euh, le lien entre Dieu et Mohammed, va, euh, va éloigner le raïd, la haine qu'il a dans son cœur Je répète, ceux qui pensent que Dieu va pas faire, va pas secourir Mohammed et ses euh, suppos, euh, dans sur terre, et comment ça s'appelle dans l'Akhira Quand j'ai supposé les compagnons les suiveurs, les alliés. Sallam utilise une voix, un sabab, il a Un sabab, il a Ça va vers les cieux, de la terre vers les cieux, vers le haut. Ensuite, qu'il le, qu le coupe. Et qui regarde, si, euh, euh, qui coupe le lien entre Dieu. que Ce C'est pas la corde, mais qui coupe le lien entre Dieu et Mohammed. Est-ce que ce cade, cette ruse, parce qu'ils ruse les mécréants, c'est exactement ce verset, il nous parle de qui De ces gog et magog qui mettent des satellites, qui essaient d'empêcher le lien, qu'ils essaient d'empêcher qu'il y ait le tar, essaient d'empêcher qu'on prie dans les mosquées, qu'on se réunisse, qu'on fait de ainsi de suite, couper le lien entre nous et Dieu. Et Dieu dit, regardez, est-ce que votre ruse, elle est loin de ce qu'il y a dans votre cœur Ensuite, il y a un autre verset du Coran qui dit, Amlahum est-ce qu'ils ont la seigneurie des cieux et de la terre Est-ce qu'il y a entre les deux, entre les cieux et la terre Fali fil asbab. Qu'ils montent, qu'ils grimpent sur les asbab, qu'ils utilisent les voies. Fali fil asbab. Al c'est tu montes, bah, qu'ils empruntent. Comme il dit dans, dans le Coran Dieu, dans d'autres versets, il dit au Qoreish, euh, euh, on ne croira pas en Dieu jusqu'à que tu nous descends. Comment ça s'appelle euh, Tu montes. Hein, et tu nous descends, comment s'appelle un livre Il y a cette histoire de monter. Donc Dieu, dit, bah, qu il dit, qu'il utilise les voies et qu'il monte vers le ciel. Ensuite, il y a le verset de Pharaon. Wa la Pharaon a dit, construis-moi une tour. Une C'est tout ce qui va vers le haut. Ça peut être une pyramide, une tour, ce que vous voulez. La Ali Asbab, peut-être que je vais atteindre les voies. Comprenez, Pharaon, les Asbab, à cette époque les voies pour le ciel, ainsi de suite. « Asbabu samawat » Les voies des cieux. « Fa ila ilahi Je vais aller voir le dieu de Moïse. « Wa inni la Je pense que c'est un menteur. « Wa Un cieux, ainsi il était embelli, les mauvaises actions de Pharaon. C'est cru, ça y est, nous on a le cerf, on a l'antimatière, on, on sait comment, bientôt le vortex, bientôt les voies, on va aller... Euh, comment s'appelle euh, Fouiner là-haut et essayer de trouver le Dieu de Moïse. Aujourd'hui, c'est la même chose. Ils disent le Dieu de Mohammed. Waqad à un site à qui À Pharaon, ses mauvaises actions. À cause de ses mauvaises actions, Allah عزو l'a aveuglé. L'embellissement, c'est l'embellissement démoniaque. Ceux qui pensent être dans la vérité, comme dans Surat al-Kaf, al al euh, Donc, shaitan leur a embelli leurs actions. Ou quand il dit Dieu, nous l'avons assigné des parallèles, euh, aura, il aura embelli quoi ces parallèles leurs actions. Quand Rabbi l'embellit tes actions, tu penses que tu es, es sur du bien, et bien tu es aveugle, tu es aveuglé sur la vérité. Et tu penses qu'après tu peux euh, t'écarter de Dieu, combattre Dieu, ainsi de suite, insulter Dieu, faire ce que tu veux. Et le fait qu'il a aussi. Repousser la, la voix Donc, ici, Sabile c'est la voix de la rectitude. Et Dieu, qu'est-ce qu'il dit Là aussi, Dieu parle de russe, comme tout à l'heure dans le verset de. Est-ce que sa ruse pourra repousser ce russe d'aller de, de, de monter vers le ciel pour repousser, pour repousser la haine qu'il y a dans son cœur Dieu, il dit La ruse de Pharaon, elle, elle va en pure perte. Elle va en pure perte. Donc, on se rend compte ici que Asbab, Sabab, c'est des voies, d'accord Soit des voies maritimes, comme les savants disent, ou soit des voies vers le ciel, mais c'est pas des voies terrestres. Donc, quand on dit Fatba'a Sababa en parlant de comment s'appelle de, 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 de il est, euh, je pense que le plus euh, pertinent, c'est de dire qu'il a emprunté des voies vers le ciel, mais pourquoi aller vers le ciel Si ce n'est justement pour aller en, en, emprisonner qui Les démons euh, démoniaques qui sont. Plus démoniaque que parce qu'aujourd'hui il, il y a toujours des démons euh, la question que je vous pose est-ce que lorsque euh, d'orcanin a enfermé ses démons est ce qu'il y en a il n'y avait plus de démons sur la terre ça y est tout le monde était bien pieux non il y a eu des démons et il y en aura toujours mais ici c'est des démons particuliers c'est ce que la bible elle parle quand elle parle de satan quand elle dit que, euh, que, que satan sera enfermé dans le premier millénaire et que dans le deuxième millénaire après l'an 2000 que dans le le, le deuxième millénaire après l'an 2000, comment s'appelle Un ange va venir et va libérer. Va libérer qui va libérer Satan. Écoutez bien, un ange va libérer Satan. Et quand vous lisez le, 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 le verset de l'Évangile, qu'est-ce qu'il est dit Il est dit que, que, que il est représenté euh, euh, Satan être emprisonné dans un puits. Et Radm, c'est ça. Quand vous bouchez un puits, ça nous fait penser à quoi À un radm, vous bouchez un vortex. D'accord, un vortex. Donc après, on ne sait pas exactement. Est-ce que c'est dans les profondeurs de la terre, comme dit, euh, je sais pas, comme dit Guénon, par exemple, et ainsi de suite, ou est-ce que c'est dans les hauteurs vers, euh, comme dit un frère euh, dans, dans des articles sur Gamegog, qui dit que c'est dans des constellations qu'à côté du soleil, l'apex, je sais pas quoi. C'est pertinent. C'est pas important. Il faut comprendre ce que c'est. Voilà. De quoi il s'agit. D'humains, de démons. Après l'an 2000, qu'est-ce qui s'est passé Parce que je n'avais pas fini, et je vous dis, on pourrait encore continuer des heures. Si vous voulez qu'on continue à parler de ça, je vous explique, je vous expliquerai. Si vous en avez marre, eh ben, on, on parle d'autre chose. Ou du moins, on, parce que c'est des, des sujets qui sont lourds quand même. Peut-être que ça fait trop pour certains. Peut-être que les gens n'ont pas les introductions pour comprendre ce que je dis. Il y a du tonnerre, l'Allah ou Et comment s'appelle Après l'an 2000, il s'est passé quoi Il y a obligatoirement une fusion entre le monde terrestre et le monde démoniaque. Avant l'an 2000, quand vous faisiez une ruqya, une ruqya, c'est quoi C'est un exorcisme sur une personne possédée. Qu'est-ce qui se passait Tu récites le Coran. Déjà, tu l'enlèves, le djinn, plus facilement. Tu récites le Coran, la personne, elle tombe K.O., d'accord Elle tombe K.O., elle s'évanouit. Le djinn y part, elle se réveille. Euh, qu'est-ce qui s'est passé et tout Bah, as fait, t as, t as fait des trucs de tu étais possédé. Non, mais je me rappelle de rien. Voilà, la mec, le mec, c'est une autre personne après 2000 et moi j'ai fait les deux expériences hein. après 2000 d'accord vers 2006 par exemple fais à quelqu'un la personne elle est éveillée et tu parles avec son démon son démon est en train de rigoler en train de se moquer nanani bon il faut que tu, tu tu récites le Coran et en général c'est quoi c'est des riferites c'est pas des démons euh, petits bah, lambda c'est des réfrites. c'est quoi c'est des degrés c'est djinn, comme à l'époque de Salomon c'est des djinns qui sont plus forts que les autres plus forts que les autres démons D'accord C'est pour ça qu'aujourd'hui, les, les frères galèrent dans la ruqya. c'est pas facile. Et tous ceux après 2000, tous les raqis ont compris qu'après 2000, la ruqya est difficile. Et tous ceux qui sont dans ce domaine-là le savent. Donc, qu'est-ce qui se passe Tu fais ruqya la personne, elle est éveillée. Elle dit Non, c'est un truc de fou, Là, j'ai tout entendu. Quand tu fais la ruqya, la personne, elle dit J'ai tout entendu. Quand tu faisais la ruqya, tu parlais avec le djinn, j'entendais tout. Ça veut dire quoi ça Comment on peut expliquer ça Fusion des deux mondes. Quand il y a une fusion entre le monde angélique et le monde démoniaque et le monde terrestre voilà ce qui se passe annexion les djinns ils font le hala, ils annexent les, les, les personnes d'accord euh, euh, ce qu'on appelle le muqarana, -muqarana c'est comme ça c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a le signe du cornu qu'on voit de partout c'est un petit euh, signe symbolique bien gentil de la part des démons pour faire comprendre vous inquiétez pas mec il est c'est bon celui-là on l'a on l'a tamponné hein il fait partie du, du truc et donc il y a une annexion, et il y a beaucoup de versets dans le Coran qui parlent de l'annexion, d'accord. Euh, euh, vous êtes dans le Coran, vous allez lire beaucoup de. Euh, et même aujourd'hui, quand par exemple euh, euh, les, 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 les gens qui sont dans la science de la Ruqya vous parlent de ce qu'on appelle le mukarana, qui est cette annexion entre le démon et lui Même, même aujourd'hui, quand les gens regardent les actes que les gens font aujourd'hui, on ne comprend pas d'ailleurs tout ce que les gens font. Quand une personne elle vient, elle congèle son bébé. Quand elle vient, une femme elle pète une durite, elle, elle poignarde son enfant, son bébé. Quand euh, beaucoup de choses comme ça qui sortent, c'est pas, on n'est pas dans dans le normal. Hein. C'est les gens, euh, font des trucs de fou, des trucs de fou, d'accord. Donc ça a toujours existé, mais aujourd'hui c'est en grand nombre. Il y a beaucoup de choses comme ça qui, euh, d'accord. Euh, donc le fait qu'il y a deux dimensions qui sont euh, mêlés, démoniaques et, comment s'appelle, et, euh, et comment euh, terrestres. Et le fait qu'après l'an 2000, pour moi, il y a eu la libération du Vortex, le Vortex a été détruit de Gog et Magog, et que ces démons dangereux se sont emparés du monde après l'an 2000, peut-être que le 11 septembre ça a joué, je ne sais pas, hein, c'est des, des hypothèses. Mais en tout cas, après l'an 2000, il y a eu de ce fusion, on s'est rendu compte que les gens, eh ben, avec le temps, devenaient de plus en plus possédés et de plus en plus aptes à accepter le nouvel ordre mondial et à accepter euh, euh, L'antéchrist et tous ses enseignements. Aujourd'hui, c'est difficile de convaincre quelqu'un de tout ce que je suis en train de dire, de parler de ça. Combien de fois on explique la symbolique, combien de fois on explique le cornu, combien on explique deux fois comment se fait que les gens ils lèvent les deux doigts comme ça, en voulant dire la shahada, alors qu'il n'y a aucune attestation, tu lèves les deux doigts. Et beaucoup de choses comme ça. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est difficile d'expliquer ça aux gens. Pourquoi Parce que à cause de cette annexion démoniaque. Et tant que les gens n'auront pas compris qu'ils doivent se défaire de cette annexion démoniaque, on n'avancera jamais ce seront des gens voués à être, les, à, à être des esclaves de cette élite mondialiste, de ce nouvel ordre mondial. Il n'y a pas, il n'y a pas. Et ça, j'ai dit, ça fait des années, ce n'est pas d'aujourd'hui que je dis ça. Dit, mon discours, il n'a pas changé sur ça, pas d'un iota. Simplement, au contraire, maintenant, ma vision elle, elle, elle s'éclaircit, plus ces jours y passent, et plus ma vision s'éclaircit, et plus je vais dans ce sens-là. Et en plus, si je voudrais rajouter quelque chose, un petit élément, pas des moindres encore, parce qu'il y a beaucoup de choses. Hein. Euh, si vous prenez le CERN... Ce centre, comment s'appelle, qui font des études atomiques sur comment s'appelle les nanos, les atomes et tout ce qui est voilà tout ce qui est les particules les plus infimes qui existent, l'antimatière ainsi de suite. D'ailleurs c'est bien de lire le livre de l'antimatière. Qui est écrit pas de de euh, comment s'appelle euh, Davinci Code je crois ou je sais pas l'histoire de de l'antimatière au Vatican qui qui, qui explose on empêche hein, c'est en fait c'est un complot pour tuer Dieu ainsi de suite ça nous fait penser ça nous fait penser à ça euh, au hadith du prophète sur Gog et Magog enfin la fin des temps ainsi de suite quand on sait que le CERN en vérité le nom du CERN ces initiales qui pourraient correspondre à euh, euh, Cernonus Cernonus Cernonus, CERNONUS c'est quoi eh ben C'est comment s'appelle un, un bouc, tout simplement, avec un cerf. Le cerf, on dit euh, qu'il a, qu a deux... Qu de, comment cornes deux cornes. On dit cernonus, le cerf. D'accord C'est qui a deux cornes. Deux cornes, ça pense à qui à c'est qui C'est celui qui a bouché le vortex au démon. Donc, euh, euh, vous allez me dire, oui, mais ce n'est pas suffisant, ça. C'est juste une... une, une c'est euh, limite, c'est juste une paranoïa, ça ne tient pas la route, ça. Oui, c'est possible, mais quand on voit le, la cérémonie du tunnel du Gothard par exemple, d'accord, euh, euh, où vous avez tous ceux qui travaillent justement aussi dans le CERN, qui font comment s'appelle cette cérémonie, et ainsi de suite, dans le tunnel du Gothard d'accord, euh, dans la cérémonie, on a représenté ça. Vous allez voir euh, la cérémonie du Gothard regardez la vidéo, vous allez voir quoi Vous allez voir un vortex. Qui représente Satan, des gens qui escaladent un mur, ils n'y arrivent pas, puis ils y arrivent. Euh, Satan qui apparaît dans ce vortex, des gens qui marchent comme une armée, qui sont tous, euh, euh, comme une armée, comme des robots, qui sont tous robotisés parce qu'ils sont à la botte du nouvel ordre mondial. Ou est-ce que je veux dire Quand vous regardez la vidéo eh ben, euh, du tunnel du Gotthard, la cérémonie du tunnel du Gothard, tout s'éclaircit. Quand vous mettez tout ça à bout, à bout, tout ça, c'est comme un puzzle. Quand vous mettez tout ça à bout, avec l'histoire, ce qui s'est passé, avec les Tatars et les Mongols dans l'histoire. Quand ils ont réussi à aller dans les tribus avoisinantes, ils ont fait un carnage. C'était la première vague de Gog et Magog, c'est la vague humaine. Ensuite, il y a la Gog et Magog avec le Radm qui va être détruit, le Vortex. Après l'an 2000, euh, plein de gens qui sont sans s'en rendre compte au service du nouvel Ordre mondial. Et ça va continuer. Ils vont tellement être euh, sous hypnose, sous contrôle mental. Et, on, et on, on, ça va être pire que lorsque vont tuer leur chef, qui est l'Antéchrist. Ils vont tous déferler pour aller combattre qui Jésus et ses partisans. Donc, ça, c'est ma vision. Il y a beaucoup de choses encore à dire. Il y a beaucoup d'autres arguments, parce que j'écris, je vous dis, tout un livre euh, sur ça, où j'apporte des arguments en basant euh, sur la Bible, en basant sur euh, la Torah, ainsi de suite, les anciens livres, où justement j'explique tout ça. Donc, je vous mets le lien de mon livre pour ceux qui veulent avoir plus d'éléments en détail avec et prendre en compte cette mise à jour que j'ai faite aujourd'hui. Donc, je vais relire les messages maintenant. Donc, les messages qui ne sont pas… Euh, donc, je répète, euh, les, les messages personnels sur « moi, je ne répondrai pas », les messages sur « un tel qui suppose d'un tel, d'un tel, d'un tel, tel, je ne répondrai pas ». Et maintenant, je vais choisir les questions, celles juste pertinentes. Je répondrai. Si je ne réponds pas sur une question, ne le prenez pas mal. En tout cas, je aller comme ça à tous. Parce dit salam. Donc, قرن, époque. Ça peut être ça, époque. Ça peut être une des. Comment ça s'appelle des trucs Mais. Euh, euh, comment ça s'appelle Il faut toujours, quand tu vois un terme, toujours le comprendre euh, à la lumière des autres livres. Il ne faut pas te baser sur un hadith et puis stop. Le prophète, quand il parle de l'antéchrist, parce qu'ici, quand on parle de dulkarnain, il s'agit de quoi il s'agit de l'Antéchrist, c'est en lien avec l'Antéchrist, sur la la fin des temps, Wa'adu Rabbi, d'accord. Et euh, prophète quand il parle de, de, du groupe de l'Antéchrist, il dit quoi Il dit quoi Il dit quand il parle du groupe qui va apparaître, qui sont les Khawarij, qui sont un peu l'armée, une des armées, l'Antéchrist, une des armées. Il dit quoi Kullama kussira Karnun, chaque fois qu'il y a une corne qui est détruite, jaa est venue une autre corne. Euh, c'est-à-dire que le, le, le dernier d'entre eux, dans la dernière corne, dernier pouvoir d'entre eux, apparaîtra l'Antéchrist. D'accord C'est pour ça qu'à l'époque, j'avais expliqué que Daesh, Nanani, c'était euh, le groupe euh, du Dajjal, ainsi de suite. Il y en a ils ont compris, ils ont pas compris, je, je m'en fous. c'est pas un problème. Mais ici, on comprend que le mot Qarn désigne quoi Pouvoir. Quand vous avez vu ma vidéo où je parle de, comment s'appelle de euh, De la bête. Cet, cet euh, ordinateur numérique, ainsi de suite, d'accord La data, la jassasa, l'espion, dans le hadith de Tamim Dari. Et quand vous voyez le, 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 la description du rêve de Daniel, Daniel, il parle de quoi Daniel, il parle de quoi Il parle de cornes, d'accord J'ai vu une bête, elle avait dit cornes. Et il y avait une petite corne comme ça, blasphématrice, ainsi de suite, ainsi de suite. On parle de cornes, c'est quoi Ce n'est pas une vraie corne, ce n'est pas une époque. On parle de pouvoir. D'accord. Donc ici Corne, il est fort possible que Dolqarnin, c'est l'homme au deux pouvoirs. Et celui qu'on connaît dans l'histoire en tout cas, nous on connaît peut que peut-être que c'est Amon, peut que, moi je connais pas l'histoire de d'Égypte antique. Peut-être que Amon il était sur le Tawhid, qu'on sait pas beaucoup de choses, qu'on a essayé tout nous hein, qu'on nous a caché des choses que lui aussi c'était un homme pieux comme Dieu dit à ou ainsi de suite et qu'il avait lui comme il construisait les pyramides, il avait cette science. C'est pas bête, c'est pas une piste à écarter. Mais en tout cas que ça soit Salomon ou Hamon, ça change pas grand-chose. Donc Sulaiman, il avait quoi le pouvoir sur les deux mondes Mais dans la Sourate Anbiya, pourquoi, dans la Sourate Anbiya, Dieu nous parle de Gog et Magog Dans la surat al Anbiya, des prophètes Pourquoi Donc moi, Dans ma tête, je suis obligé de faire le lien, désolé, entre Gog et Magog et qui Et Salomon et David. David qui maîtrisait le fer, ainsi de suite. Surprise euh, du live. Je n'étais pas là hier, mais je tiens à te dire que je te soutiens ce que tu as dit. Tu as eu raison. Merci, Barclof. Je te soutiens entièrement par rapport à ce que tu as dit hier. barclay pourtant que ça à travailler. Oui, mais après, des fois, euh, comment ça s'appelle Il faut être juste. C'est-à-dire, euh, euh, moi, je ne suis pas un despote, hein. je ne suis pas un tari, je suis pas un tarot. Non, on condamne les tarottes mais je ne vais pas me comporter comme un tarot. Je ne suis pas un dictateur. Je ne suis pas là pour orguir sur les gens, ainsi de suite. Donc, des fois, je remets les choses sur les pas parce que des, des fois, c'est trop. Des fois, des gens, ils font des petits pics, des petits pics. Mais en même temps, il faut que j'apprenne, moi aussi, à faire face et à, à supporter les gens. C'est comme ça. Hein, je ne suis pas, je suis pas moi, voilà, je suis pas le premier. Mohamed Sallam, il a supporté les gens. Tout le monde supporte les gens. C'est comme ça. Quand tu es dans ce domaine-là, tu es obligé de supporter les gens. Simplement, maintenant, je vais agir de manière différente. Donc, je ne suis pas, j'en veux pas vraiment. Je me suis énervé sur le coup, mais moi, je ne suis pas. Et justement, quand on parlait des attributs divins, qu'on expliquait que Dieu a créé Adam selon son image et qu'on expliquait que l'image d'ici, c'était. Euh, euh, selon euh, à, à, à un niveau différent bien sûr euh, imprégné euh, comment s'appelle des qualités divines d'accord la miséricorde la justice et que euh, la colère euh, la miséricorde de Dieu précède la colère de Dieu la, sa miséricorde précède la colère ben, on doit se comporter comme ça en tant qu'adamique si on se réclame adamique on doit se comporter comme ça à savoir que la, la miséricorde précède quoi la colère il faut qu'on applique c'est pas on, euh, on parle de ça vas-y euh, théoriquement et on n'applique pas ça Mais cette barrière faite de blocs et de fer enduit de cuivre, eh bien quelque part, elle est dans la vidéo que j'ai mise. Dans la vidéo, je vais voir si je l'ai encore, je vais remettre le lien. Je ne sais pas si je l'ai encore, mais il y a une vidéo où il y a la barrière, je vous dis, la barrière, elle est là. Je vous mets le lien tout de suite là. La barrière, elle existe. Elle y a la barrière. comme les frères, j'espère que vous allez bien. Ce pays sont le Kirghizistan, le Turkmenistan, Kazakhistan, et ouais, exactement. Ouzbékistan, ainsi de suite. Barrage en fer pour un brouillage magnétique qui bloque le développement de toute technologie électronique. Maintenant que le barrage a été détruit, les technologies du shaitan ne se sont répandues encore. Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne conçois pas la chose comme ça. Samgog et Magog, c'est les Mongols. Euh, Gog et Magog, euh, au début, c'est comment s'appelle Gog et Magog, c'est les tribus mongoles. Au début, parce que ça, faut comprendre que ça ça, 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 ça a pris de l'ampleur par la suite, mais au début, au début Dolkarni, il a rencontré un peuple, le peuple qu'il a rencontré, ceux qui habitaient dans les steppes. vu dans les steppes, il n'y a pas de montagne. Et ça veut dire qu'il n'y a pas, entre toi et le soleil, il n'y a pas de citre. Citre, c'est quelque chose qui te protège. La seule chose qui peut être un citre, comme un mur, ça c'est un citre, eh ben, c'est quoi C'est une montagne. D'accord donc, ce qui fait penser que c'est les steppes, d'accord Et en plus, ça correspond au schéma, écoutez bien, écrit, défini par Soleiman At-Tourjoumani, Salomon le traducteur, envoyé par les abbassides, d'accord Que vous avez trouvé dans les vidéos que je viens de mettre le, le lien tout de suite. Je vais écouter ton live en replay, mais il a été supprimé. Ouais, j'ai enlevé parce que quand, si c'est pour que, voir un live où je m'énerve, ça ne sert à rien. Les Mongols, euh, les Mongols de euh, Yahya Micho. Euh, » D'accord, je ne connais pas. Attends. Conseil vidéo, les Mongols, Yahimichou, d'accord Je connais pas. On va aller voir ça. Barclofik. Nous laisserons les djinns et les hommes se mélanger les uns aux autres. Euh, nazal, Nazal, généalogie, voilà exactement. Euh, quand on dit zilu, euh, quand on dit comment ça s'appelle, quand on regarde, nous par exemple, quand on regarde euh, la, la généalogie, la, euh, généalogie de quelqu'un, on dit, il descend d'un tel, d'un tel. Yen min tac, 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 tu vois Donc pour moi, c'est dans ce sens-là. Parce qu'on a expliqué que, euh, euh, comme il dit, le dit Ibn Hazm, donc je ne euh, suis pas le seul, que concernant les, les, les signes eschatologiques, il y a de la métaphore. Il y a de la métaphore. Ibn avait le don des langues. Ah, bah, de toute façon, Salomon, euh, il connaissait la façon, la façon il comprenait, euh, il s'adressait aux fourmis, il y avait une science que qui nous dépasse, qui nous dépasse, qui nous dépasse. C'est pour ça qu'aujourd'hui ils essayent de compenser ça avec euh, l'intelligence artificielle. Ils veulent faire revivre cet âge d'or, l'âge d'or de Salomon. Ils veulent le refaire vivre à travers quoi L'intelligence artificielle. C'est pour ça que le prophète nous dit que vers la fin des temps, euh, la cuisse, elle te dira ce que ta femme a fait. Euh, ton lacet parlera. Les lions, ils parleront ainsi de suite. C'est dû à l'intelligence artificielle avec des puces, avec ce que vous voulez. C'est pas le sujet aujourd'hui. Asbab avec Pharaon. Salam alaikum, Gog et Magog sont deux peuples frères, l'Europe euh, et les États-Unis. Euh, non, je sais pas mon point de vue. Ce sont des, ces jeans féroces qui ont appris toute la technologie aux hommes après l'an 2000. D'ailleurs, c'est depuis ce temps que la technologie est exposée, à mon avis. c'est pas impossible, oui. C'est fort possible, oui. C'est fort possible que ce soit voilà, ce soit des. des, des voilà, c'est fort possible que ce soit un truc comme ça. En tout cas, ils sont féroces dans, dans tout. Dans le char, vous voyez y a, on a passé un cap on a passé un cap dans le mal euh, incroyable même au niveau euh, de la religion ça, la, 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 les musulmans ils ont ramassé un coup après, après l'an 2000 non Achib bien avant internet c'est les années 70 la bombe atomique les armes sophistiquées c'est bien avant même euh, c'est le Mahdi actuel Gog et Magog c'est l'occident et la barrière c'est la barrière de la foi non ça c'est trop, trop facile ça c'est les chamas simplistes euh, c'est pas comme ça dans la vie de tous les jours. Non, non c'est pas, pas comme ça. C'est pas si simple. C'est pas si simple. Il y a, il y a plein de hadiths. Pas, si c'est un truc schéma, en deux secondes, tu me dis Dolkarnin, c'est le Mahdi. On n'en parle plus. Non, c'est pas, pas si simple. D'accord Parce que quand on regarde le Mahdi, le Mahdi, il n'aura pas le pouvoir de Dolkarnin. Ça s'éclairait, vous le sachiez. Hein. Le Mahdi, il n'aura pas, pas les deux extrémités de la terre. Ce hein. sera pas, euh, comment s'appelle, Dolkarnin, euh, il va de. Ce ne sera pas ça. Hein. Donc, euh, essayez de bien comprendre de quoi on parle. Mais il n'aura pas ce pouvoir. Ceux qui pensent que le Mahdi, il aura le pouvoir de la terre entière, c'est qu'ils ne connaissent pas l'escatologie les, euh, les et ils ne savent pas de quoi on parle. Ils ne savent pas c'est quoi, justement, ce qui nous attendent. On en est où Oui, l'arrivée, le déploiement d'Internet, réseau 5G en fonction de la vitesse du temps. Oui, il y aura beaucoup de choses de ouf qui arrivent. Je dis simplement que technologie a explosé depuis 2000, mais il y en avait plein avant. Un frère pense que le pourrait être le prophète Salomon. Oui, c'est ce que je dis moi. Après, je n'aimais pas attention, hein, je n'écarte pas l'hypothèse de Hamon, mais comme je ne connais pas beaucoup de choses sur ça, euh, l'Égypte antique, Amon, parce que beaucoup disent que Amon représentait quoi Représentait le, le, le Tawahid, ainsi de suite. Donc, euh, le monothéisme et tout. Donc, je ne sais pas euh, ce qu'il en est libération de Gog et Magog c'est sérieux cette cérémonie avec autant de symbolisme c'est incroyable oui c'est symbolique c'est tout c'est une, une, une fête entre initiés et les initiés comprennent qu de quoi on parle oh, Akhi t'as raison ignore les questions embarrassantes très oui. désolé mais il n'y a pas un seul grand savant qui dit ce que tu dis par exemple Shir Will et d'autres pour eux il n'y a pas de vortex aux années 2000 euh, il n'y a pas de vortex aux années 2000 quoi ou un mixte euh, humain gene, moi mais de toute façon je vais pas manquer de respect à un tel et un tel je, je, je dirais pas un tel et un tel avec manque de respect mais déjà il faut il faut qu'ils comprennent eux dans quel monde on vit d'accord le, le monde dans, dans, dans lequel on vit déjà dans quel euh, dans lesquels les russes on vit de comment il, et comment il fait le monde pour pouvoir comprendre d'autres choses Si déjà toi sur le plan terrestre tu comprends pas qui est, qui est un, un, un despote qui est un ennemi qui est un sioniste, qui est un franc-maçon, qui est ça, qui est ça, n'espère pas comprendre le Coran. Euh, n'espère pas comprendre ces, ces thèmes-là dans le Coran. Et je ne dis pas ça par, euh, par euh, orgueil que Dieu m'en protège. d'accord Et ce pas la science, ce euh, n'est pas, euh, est pas une, une propriété exclusive des savants orthodoxes, ou des savants de l'État, ou des savants académiques. La science, elle appartient à Dieu. Et Dieu donne la science à qui il veut. Et justement, dans al Talkef justement par rapport à ça, tu as bien fait de le citer Dieu donne la science à qui pour faire comprendre à Moïse d'accord, tu es un prophète mais fais attention, au sud de chaque savant il y a quelqu'un qui a de la science, peut-être plus que toi dans certains domaines, c'est pas un mal de comprendre une question mieux que tous les, que tous les savants euh, sur la terre et le problème c'est que nous, on n'a pas fait un recensement aujourd'hui les gens qui s'expriment comme moi dans des sujets comme ça, il n'y en a pas sur internet, mais comme c'est des massacines. Leurs paroles, les, ouais ne sont pas des savants, ne sont pas connus, elles ne sont pas propagées. Il y a peut-être beaucoup de frères qui sont arrivés à la même euh, conclusion que moi, et je pense que oui, aujourd'hui, parce qu'on a avancé, euh, beaucoup plus de... Les gens arrivent plus à comprendre les mécanismes aujourd'hui, même par rapport à la et ainsi de suite. Donc, euh, euh, ce n'est pas exclusif à ma personne. Comment expliquer que le Dajjal apparaît parmi les Khawarij étant donné que ces groupes sont rejetés par les masses, notamment musulmanes Parce qu'il faut comprendre que le prophète a dit quand l'Antéchrist veut dire ce qu'il c'est faire. Euh, L'Antéchrist, c'est comme la franc-maçonnerie. Ordre, ab chaos. Il faut créer le chaos pour créer l'ordre. Et euh, l'Antéchrist, il va s'introniser. Mais avant son intronisation, parce que le prophète dit il sortira parmi le dernier d'entre eux dans le hadith. Il apparaîtra avec le dernier d'entre eux. C'est-à-dire qu'avant qu'il apparaisse, il y a une fitna. Et parmi ces fitna, il y a quoi Il y a, comme on a vu en Irak, en Syrie, ainsi de suite, des gens qui ont fait n'importe quoi, qui sont venus salir l'islam. Et voilà. D'accord euh, euh, Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau qu'il y a des choses comme ça. Donc l'antéchrist, il a plusieurs cartes euh, euh, dans sa main. Parmi celles-ci, celles il y a celle-là. D'accord Donc parmi ses euh, caractéristiques, c'est de créer. Euh, la corruption mais pas obligatoirement de le dire aux gens bah c'est moi euh, je m'appelle comme ça c'est moi qui fais ça regardez non euh, il détruit après il reconstruit quand, quand les gens ils ont bien et c'est pas fini la destruction ça va continuer hein. attendez-vous à, à des grands événements un remblai, Un précédent la vidéo au départ je pourrais penser que c'était un fake euh, non 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 c'est euh, la vidéo je l'ai vue elle m'a apaisé hein. moi de la vidéo quand je l'ai vue je me suis dit c'est bon c'est ça ça peut être que ça parce que même le frère, déjà on voit que c'est un frère qui est dans le dîner, ce pas rigolo. Le frère, il a mis les moyens, hélicoptère, nanana, il est parti voir les gens de là-bas, cousin. Et ça correspond à la carte de Salomon, le traducteur, Suleyman Atourjomani, envoyé par les Abbasides. C'est pas comme si c'était lui, il avait dit sa tête, il a fini il est parti sur place avec l'hélicoptère. Non, il y a déjà un précédent là-dedans. Il faut pas euh, non plus rabaisser les abbassides. Les abbassides, ils avaient des livres qu'on n'avait pas, ils lisaient des choses qu'on qu ne lisait pas. Ils avaient une compréhension aussi très, très élevée, notamment dans les livres anciens. Euh, ceux qui ont traduit les livres grecs, les livres romains et tout ça, c'est bien euh, les abbassides. Je pense réellement que les études effectuées dans le CERN est liées au satanisme. Euh, non, pas de manière officielle, c'est sûr et certain, pas comme ça. Non, non, pas du tout. Mais euh, euh, quand tu regardes qui c'est qui finance le CERN, tu comprends. D'accord Donc, c'est juste, il euh, euh, faut bien comprendre que euh, euh, le monde, en vérité, le monde euh, du mal, on va dire le monde anti-Dieu, est euh, composé de deux castes. Une caste qui est tout à fait terre à terre, d'accord euh, Des gens qui sont là, la science, on étudie, on fait du cinéma. Et tu as des gens derrière qui utilisent tout ça à des fins. Euh, satanique à des fins eschatologiques à des fins religieuses à des fins dogmatiques mais c'est pas le cas de tout le monde le mec qui travaille donc, il sait pas ce qui se passe le mec il est là il fait son boulot c'est un scientifique c'est -ce comme les gens par exemple je sais pas moi tu prends quelqu'un tu j'ai pas d'exemple mais euh... un mec qui vend dans une loge maçonnique je sais pas moi il est là euh, les premiers degrés je sais pas quoi tu lui parles de qu ce que tu racontes mec mais je comprends rien à ce que tu parles nous on est dans l'ésotérisme on est là on parle de symbolique on parle de ça, on parle de ça, c'est beau, on réfléchit sur les problèmes de... Il ne comprend pas ce que tu vas lui dire, toi. tu vas passer un franc-maçon, je ne sais pas quoi, il va dire, mais ça, c'est n'importe quoi, c'est complot, tout ça. Tu vois ce que je veux dire Donc il faut bien comprendre qu'il y a toujours deux castes. Une caste qui est normale, qui est là, euh, c'est purement terrestre, ils font leur boulot, ainsi de suite. Mais ils sont utilisés, c'est comme la masse des gens. Aujourd'hui, il y a des, des gens de la masse, ils sont utilisés pour combattre l'islam, ils ne s'en rendent même pas compte. Parmi les journalistes, parmi les... Ils ne savent pas qu'ils sont en fait eux-mêmes déjà dans un... Dans une ruse, dans un, dans un complot. Ils ne se rendent même pas compte. Ça m'a combien y a-t-il une science occulte chez les euh, Une science occulte? Attends. Alors, ça me y a-t-il une science occulte chez les scientifiques euh, Pas tous, mais regarde, par exemple, je vous donne un exemple. Quand tu sais, par exemple, j'en avais parlé dans la vidéo d'hier ou d'avant-hier, quand j'avais expliqué que euh, 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 parmi des grands savants comme Tesla, et euh, comment il s'appelle Tesla euh, Est-ce que c'est Tesla ou Einstein Je crois que c'est Tesla, euh, un des deux qui étudiait le Talmud. Il y en avait parmi ces grands savants qui étaient des, euh, des, des Talmudistes. c'était des gens qui étudiaient la, 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 la Torah, le Talmud, les religions, et ainsi de suite. C'était des gens qui allaient dans la religion. Ce n'est pas uniquement des gens qui apprennent la science, et de suite. Ces gens ont une connaissance dans la religion. Donc, ils, 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 ont, ils ont lu le Coran, comme je le lis, peut-être qu'ils ont, ils ont, ils sont allés plus loin que nous, le point où on est arrivé, nous, parce qu'ils ont déjà étudié tout ça. Et puis eux, ils ont un autre, euh, ils ont un plus, c'est la science, ce que nous, on n'a pas. Donc quand Einstein il parle de, de, Quand il va lire un truc sur les dimensions, il comprend, il sait ce c'est quoi. Parce qu'il il, il sait c'est quoi un trou de verre. Il a des. Ici, c'est quoi? Quand tu dépasses la vitesse, du, euh, vitesse de la lumière, il mène bien plus et bien plus que ça va jouer sur le temps. Tu prends une horloge ici, on, tu la montes dans un vaisseau ou dans une fusée ou je sais pas quoi, il va avoir un petit, euh, un petit décalage. Et plus tu montes et plus tu vas vite, et plus le décalage, il est grand. D'accord? Ça, c'est la science. Je voulais dire Nestle c'est la généalogie. Oui. Bon, y a, voilà, Barclofé, j'ai oublié, c'est vrai. Yann c'est vrai. fait quand a nestle c'est euh, ça c'est euh, l'ascendance ou la descendance donc c'est ça c'est ça c'est en lien aussi avec Nest et puis Yensilun il y a cette histoire de quoi de euh, Nest de, de euh, comment ça s'appelle Nest dans, dans la sortie du spermatozoïde ainsi de suite tu vois la, la descendance quoi tu vois ça alaikum y a-t-il une science donc Gog et Magog sont les êtres humains actuels c'est pour ça que le Hadith, euh, que 942 personnes en enfer et un seul au paradis, ça correspond à ça. Oui, pour moi, c'est ça. Et ça va être pire, parce que, essayez de comprendre, plus on avance, plus on va rentrer dans une période d'esclavage mondial, d'esclavagisme mondial. Il y a des gens qui sont en train de, 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 de comment ça s'appelle, de bosser pour ça. Et ça, ça y va vite, ça y va vite. Bientôt, on sera tous enchaînés, peut-être moi le premier. D'accord Il y aura de l'esclavagisme. D'accord Et les gens vont être euh, au service du nouvel ordre mondial ils vont tout faire pour que les gens aiment le nouvel ordre mondial tout va être fait pour que ces gens ils aiment ce, ce, ce NOM d'accord cette DABBA euh, avec quoi avec euh, euh, l'intelligence artificielle avec les, les, les plaisirs éphémères avec tout ça au point où les gens il y aura très peu qui seront du côté comment ça s'appelle dans, dans comment s'appelle dans euh, dans l'éveil dans la religion dans, dans le camp du, de Issa al-Islam dans le camp adamique Parmi les religions. Mais il y en a beaucoup dans les religions qui se réveillent. Mais ce n'est pas tous. Ce n'est pas tous. Vous le voyez bien. Au début de la surat, il est, il, il est dit, pas de tur tortuosité. Oui. Euh... Les savants contemporains ont échoué lamentablement dans l'explication du monde aujourd'hui. Euh... Oui, mais parce que c'est... La religion, ça se vit. D'accord Il y en a, ils l'ont compris, mais ils ont payé de leur personne. Si tu prends trop tôt, par exemple, il a toujours dit que la religion, c'est quelque chose qui se vit. La religion, si tu ne la vis pas, tu ne la comprends pas. La religion, c'est pas tu lis dans un livre et puis tu es chez toi bien, tout se passe bien, pépère. Et... Non, la religion, c'est quelque chose qui se vit. Il y a des événements, tu vis ça, tu comprends ça. ça c'est vivant. Peut-être que les djinns se transportent mieux dans notre monde par l'électricité grâce à la technologie, par les câbles, car ils sont créés d'un feu sans fumée. Moi, je dirais plus par les ondes magnétiques. Moi, je pense que le magnétisme, ça, j'ai toujours dit, est lié euh, à la possession. Le magnétisme, il y a un truc avec le magnétisme. Énormément de films science-fiction ont comme scénario une brèche dans une autre dimension qui laisse échapper des monstres et des démons. À croire qu'ils sont tous inspirés de Gog et Magog. Oui, ben le film le meilleur film, le meilleur film. Donc j'ai mis euh, euh, la couverture sur mon livre euh, monologue sur Gog Et, Magog. et ben c'est quoi C'est Warcraft. Oui, gloire à Allah pour ta cause, pour nous les francophones, qu'Allah te euh, qu Allah te rajoute Akhtar Amin. J'ai compris par rapport au Khawarij Barklawfiq, la déesse Shiva au CERN, exactement. Oui, il y a beaucoup de choses, j'ai pas tout cité, mais franchement, Wallah, il y a, il y a tellement de choses à dire. Et il ne faut pas croire qu'il n'y a que nous qui pensons comme ça. Hein. Tu vas sur euh, euh, YouTube, tu vas voir des gens qui parlent de brèche dans, dans l'espace-temps. Ce que je suis en train de dire, tout simplement, de brèche dans l'espace-temps pour faire venir les démons. Il y a des gens, Wallah, oh qui ont dit ça et qui ne sont pas musulmans. Voilà. Des fois, limite, tu te dis, purée, je vais aller, je vais aller en Amérique, là-bas, je vais rejoindre les... ceux qui sont dans ce délire-là et... et ainsi de suite. Oui, c'est un truc d'ouf quand même. Hein. Les musulmans, subhanallah. Ils... Mais il faut s'intéresser aussi au sujet. Crois-tu qu'on a encore un peu de temps pour s'organiser faire, <laughs> car tout s'accélère, ça fait peur. Ça y est, c'est mort. a mis Mia, ça y est. C'est foutu. Tu ne peux plus aller en Tunisie, bar, C'est mort. Ma ah, fille, Je plaisante, je ne sais pas, wallah. InshaAllah, Allah ouvre des portes. Je sais pas, il ouvre des portes. Il y a toujours, toujours possibilité, mais c'est vrai que rappelez-vous d'une chose. Je vais vous donner une règle. Je vais vous donner une règle. Je vais Pour ne pas, pour pas écorcher le, le, le verset, je vais vous lire en arabe. Et ça, c'est une, une règle que je vous donner, elle fait peur. Moi, je l'ai compris il y a longtemps, ça, mais je n'ai jamais voulu le dire à quelqu'un parce que je me disais que personne ne va comprendre. Là, il y a une une Je me disais, ça, personne ne va comprendre, il vaut mieux que je ferme ma gueule. C'est ce verset-là. Parce que c'est ce que je ressentais, moi. C'est ce que je ressentais, moi, à l'époque. Quand je vous dis à l'époque, euh, après l'an 2000, moi, j'ai compris tout de suite qu'il y avait un problème. Pas tout de suite. J'ai mis quelques années à démarrer, mais. Parce que moi aussi, j'étais dans. dans... Dans le, je sais j'ai l'insouciance, hein. l'insouciance, mais euh, je me rendais compte qu'il y avait. Euh... Allez, la connexion. Hein, a... rouh, 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 Bon, c'est pas grave, je reviendrai. Attendez, il n'y a pas une autre. Il dit, dans le verset du dit, hal est ce qu'ils attendent, c'est -ce que par leur parviennent les anges, ou que leur Seigneur leur vienne, ou que certains signes de Dieu leur parviennent. Le jour où viendra des signes de ton Seigneur, ce jour-là ne profitera en aucun cas la foi de quelqu'un. jour-là Sauf si elle a cru avant, ou si elle a acquis euh, des bonnes actions. D'accord Attendez, nous, si nous attendons. Fait peur le verset. Donc, euh, euh, je pense que euh, Rabbi connaît les NIA et tout, mais ceux qui peuvent, euh, il, faut, il faut agir pour essayer d'être voilà, au moins dans des endroits moins, moins sataniques, moins. Moins euh, voilà, parce que franchement, ça va être invivable. Moi, bon, je vous dis, c'est invivable. Certes, tu auras des plaisirs, mais euh, ceux, qui, ceux qui veulent la mécréance, qui se plaît dans le mal, il n'y a pas de problème. Lui, euh, ceux qui est dans le mal, ça y est, il est en paix. Hein. Celui qui choisit le mal aujourd'hui, c'est pas la peine qui, qui me pose la question. celui qui choisit le mal, lui, Machallah, il est bien. Il vient il est en paix. Hein. Lui, il va, il, va, il, va se, il va se kiffer, lui, avec les, la technologie, le, le char, le, il va puer le, la, la désobéissance, il va même puer tout court parce que. Les gens qui sont dans, dans la désobéissance et dans le péché, comme ça en général, c'est des sales, hein, pas tous, mais beaucoup. C'est en lien avec la linéité, la fitra, la bonne nature. La fitra, c'est la bonne nature. Hein. Dans le Hadith, ce prophète explique c'est quoi la bonne nature De se raser les aisselles, de se raser un peu euh, de certains endroits, d'enlever tout ce qui est, voilà, de se couper les ongles, ainsi de suite. Donc ça, c'est la fitra, d'accord, la bonne nature. Donc je n'invente rien sur un plan religieux. Euh, donc ceux qui sont dans le mal, ils vont se complaire dans tout ça. Pas de problème, eux, ça. Quel est le lien entre Shaitan et le Dajjal Ben, euh, le, comment s'appelle le, le lien C'est que euh, Satan, son, euh, son intérêt et son, euh, son objectif, c'est d'écarter la majorité des gens. Pourquoi Pour dire à Dieu, regarde Dieu, ces gens, c'est des hominidés. D'accord J'ai refusé de me prosterner devant Adam, j'avais une raison. Tu m'as maudit pour ça, mais regarde la preuve c'est tous des, tous des hominidés, tous des sauvages. C'est tous des sauvages. La preuve, je disais, tous écartés de ton chemin. Tous. Tu te rendras compte que la majorité d'entre eux ne seront pas remerciants. Et alors dans la version, on parlait de. Dieu, il, dit, euh, il parle de chokr. Quand il parlait de al ad, l'Akhira. D'accord Et euh, euh, Satan, il leur dit Regarde la preuve, ils ne sont pas remerciants, ils ne re reconnaissent pas tes bienfaits. Je disais, tous écartés. Il a l'exception de tes serviteurs sincères. Ça, c'est le deal. Donc euh, Shaitan, il va jouer sur ça pour dire, voilà, moi si je ne voulais pas me procéder devant Adam, c'est qu'ils ne sont pas dignes, ces gens-là, c'est Est-ce que Dieu va accepter son argumentaire Dieu ne va pas l'accepter, qu'est-ce qui va se passer pour Satan Ça ne nous regarde pas, ça, ça ça, nous dépasse, ça ne ça nous regarde pas. Euh, Shaitan, c'est comme le Dejel ce sont des outils euh, de Dieu pour exercer, euh, comment s'appelle, euh, pour exercer euh, euh, la fitna, la tentation, ainsi de suite. D'accord. Dans un examen, euh, comment ça s'appelle hein, Il faut qu'il y ait euh, voilà. tentation, il faut qu'il y ait des... Voilà. S'il n'y a pas de tentation, il n'y a pas de ça, c'est tout le monde réussit l'examen. D'accord euh, Et ensuite, ce qu'il adviendra de Shaitan et de Dajel, je l'ignore et ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est Dieu qui décide. Hein. c'est pas à nous de... Il ne faut pas, pas qu'on dépasse nos prérogatives. On est des simples humains, on reste à notre place, ainsi de suite. Mais il faut savoir juste que les deux en tout cas dans un, dans un verset les gens de l'enfer vont demander à les ramener ramenez-le nous, donc c'est possible qu'ils n'y sont pas mm -hmm. et on sait que le verset où Satan va, va dire je suis irresponsable, ne venez pas vers moi je peux rien faire pour vous aujourd'hui vous pouvez rien faire pour moi moi, je, je m'écrois mets, je mets en ce que. Et vous savez que quand Satan s'est sauvé de Badr, il a dit quoi Je crains le Seigneur des mondes. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour Satan Ça, on l'ignore. D'accord pas... On ne sait pas. Allahu Alam. D'accord Ça, on sait pas. D'accord Dieu peut le mettre en enfer éternellement. Ou autre chose, ça, Allahu Mais en tout cas, l'objectif de Satan, c'est ça. Et euh, l'apparence, ce qu'on sait, en tout cas, de premier abord, c'est que Satan. Il va brûler en enfer éternellement, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a autre chose Allahu C'est comme la finitude de l'enfer, ça, ça ne nous regarde pas. C'est les prérogatives, prérogatives divines. Que cherchent les adorateurs de Iblis Ils cherchent à le libérer de sa dimension, qu'il soit roi sur notre dimension. Non, Iblis, lui, il a, il a, il a, c'est pas que sur dimension. Iblis, lui, il a, le, il a comment s'appelle depuis longtemps Il est établi sur terre comme il est établi dans son monde. Ça, ce n'est pas un problème. Ça, c'est depuis qu'il est descendu avec Adam. Y a pas de, y a, on ne parle pas d'Iblis en tant que personne, on parle de démons. Iblis, lui, il, 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 lui, Iblis, il envoie, il est sur son trône, dans l'eau, il envoie ses soldats. Hein, ça, c'est dans le hadith du prophète, qui, qui font le boulot. D'accord Ce n'est pas Iblis en personne, il va venir, il va commencer à aller embrouiller tout le monde. Iblis, il a des soldats, il les envoie, ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est euh, euh, ce qu'il en ressort, comment ça s'appelle Déverser, ainsi de suite. J'ai quand l'impression que les élites vont nous sortir une invasion d'extraterrestres prochainement. Ça pourrait être Gog et Magog. Euh, je sais pas. Franchement, je sais pas ça. Je ne sais pas. Pas impossible hein, après. Euh, Peut-être. Hein, Peut-être euh, peut créer des problèmes comme ça, des vaisseaux hyper sophistiqués pour jeter le doute dans les gens. Je ne sais pas. Franchement, ça, j'ignore. Je ne pense pas en personnellement, mais bon, on ne sait jamais. La salade commence avec point de tortuosité après des histoires... Qui prêtent justement à interprétation. vaut mieux, pas délaisser les interprétations. Oui, les compagnons ont-ils posé beaucoup de questions sur Gog, et Magog, euh, je que oui. sur Gog et Magog Je pense que oui. S'il y a des halles sur Gog Magog, je pense qu'ils ont posé des questions. Alors, qu'est-ce qu a promis Shaitan aux satanistes pour leur allégeance euh, Shaitan, je ne pense pas euh, qu'il ait promis quelque chose. Euh, il est pas, euh, mais je pense que l'antéchrist, oui, l'antéchrist, il, il a promis, je pense, à ses adeptes l'éternité, euh, parce qu'ils ont des croyances, pour la plupart, euh, que ce soit les juifs ou, par exemple, comment s'appelle les francs-maçons de, de, même les, 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 chiites de cette résurrection. Il y a ça dans, dans, chez les chiites, il y a ça chez les juifs et les francs-maçons, l'histoire de résurrection, résurrection des morts, ainsi de suite. Donc, il se dit, oui, nous, bon, on meurt, peut-être on se torture un peu dans la tombe, mais après, il vient notre sauveur, il nous fait sortir de nos tombes et on vit éternellement sur terre dans le paradis d'Éden. Voilà. C'est pour faire court, Marie. L'esclavage mondial, on y est la suite, le vaccin du Covid. Oui, après, on sait pas ce qu'il a, mais on y est déjà. C'est un début. On sait que Gog et Magog sont des descendants. Oui, mais moi je n'y pas ça. Gog et Magog sont des descendants d'avant. C'est pour ça que j'ai dit que c'était tribu mongole, ainsi de suite. Donc, c'est des, des adamis qui a pas Quand on dit euh, descendants' d'Adam. Euh, comment s'appelle ça? Ne veut pas dire qu'ils ont la caractéristique adamique, c'est veut dire qu'au niveau du sang. C'est des adamiques, mais ça ne ça veut pas ça veut pour autant dire que sur la Terre aujourd'hui, euh, la, la, la majorité, voire tous, hein, tous sont des descendants d'Adam. Ils ont des gènes un peu à droite et à gauche, mais euh, ce n'est pas pour autant qu'ils sont adamiques dans, euh, sur le plan comportemental et dogmatique. C'est pour ça que, quand j'expliquais, moi, euh, on a créé Adam, c'est la meilleure des postures physiquement, mais pas que ça, euh, sur le plan du comportement, la compréhension du dîme, le comportement, ainsi de suite. Le magnétisme, la fibre optique, vitesse du réseau. Euh, oui, ça peut jouer aussi, mais bon, je ne sais pas, peut-être il hein, y a quelque chose comme ça, mais après, je n'ai pas envie de parler non plus dans. Là, on sent mal déjà les gens, déjà, quand à cause du magnétisme, tout ça, les ondes, il y a des gens, déjà, ils ne sont pas bien dans leur tête sans avoir besoin, sans qu'il y ait des démons, quoi que ce soit, déjà. Rien que ça, déjà, ça crée des problèmes. Il faudra peut-être faire un alliage comme Dulkarnen pour se protéger des ondes et des démons. Euh, je sais pas, mais après, j'ai pensé à un truc tout à l'heure, parce que tu m'as fait penser par rapport à ça. Je me suis dit, pourquoi et je ne sais pas si il ils ont, s y ont pensé. J'y ai pensé à une époque, mais je ne jamais euh, réellement, je me suis jamais euh, réellement de, euh, penché dessus. Mais par exemple, de servir des versets de la sourate Al-Kahf où euh, d'ul dit qui va justement faire le rad mais tout ça, réciter ça dans l'eau, le boire, mettre ça dans l'huile coranisée, en, en, en espérant peut-être euh, enfermer notre euh, notre partie démoniaque. Si on, on a une partie maghuj, voilà, magog. C'est euh, un truc qui peut marcher. On est déjà en esclavage avec le capitalisme, oui. La cérémonie d'intronisation de Macron est comme ça du CERN pour ouvrir la porte démon. Oui, ça joue un peu. Ce n'est pas Zarma, euh, la porte démon, démons, c'est pas lui qui va ouvrir ça. Mais c'est juste pour dire que voilà, c'est un pion et puis c'est un, un des rouages qui se met en place. Un des rouages. <laughs> Mia, c'est mort, fermeture des frontières. Je vais me préparer, Inch'Allah. Qu'Allah y on Wallah. Franchement, après, je connais la Tunisie, je ne la connais pas tout entière, mais je pense qu'il y a des villages où tu peux bien vivre tranquille, Wallah. Tu te fais un petit potager tranquille. Laisse les gens après vivre comme des Yamoudjou. Stranger Things est bel exemple de série où des enfants rentrent dans des brèches dimensionnelles et combattent les démons. Bah ouais, mais... De toute façon, ils sortent pas ça de leur tête dans les films. Hein. Satan se sert du Dajjal. Oui, c'est ça. Il sert, lui, pour écarter, pour, euh, comment ça s'appelle, euh, ils ont toujours quelque chose à gagner. Il se sert de lui pour euh, égarer les gens et Dajjal a besoin de la puissance des démons pour euh, asseoir son pouvoir. Donc, c'est euh, un deal gagnant-gagnant. Euh, faut -gagnant. être honnête, on n'arrive pas à nous séparer de nos aides sociales <laughs> ou des plaisirs de ce bas monde. On est loin d'imaginer ce que ça a arrivé. J'ai peur qu'on le comprenne trop tard. Euh, ben, euh, le verset... Franchement, quand tu lis le verset, quand Dieu dit fatatihim baratata. D'accord Ça va les prendre par surprise et ça va les. les, les comment dire ça va les, les choquer, les, les surprendre et ça va venir par surprise. Fatatihim baratata. Et ils ne s'y attendront pas. Donc, à mon avis, c'est quelque chose comme ça. Les gens vont se rendre compte que c'est trop tard purée, on a été insouciant. si au moins on s'était réveillé avant on aurait pu se dégager de ça moi je pense qu'il un moment où les monotes elles seront mises, tu t'as plus où aller c'est mort, allez, esclave fais, fais bisous à, à, à NOM sinon le glissement vers le fantastique, vers l'irréel du dégel va être brutal ou lancinant non, ça va aller doucement mais après il va y avoir un, un déclic, j'ai expliqué vous vous rappelez quand je parle de 2030 par exemple je vous dis, attendez-vous à vous réveiller un matin où, euh, où tu travailles un matin, tu ne comprends rien et tu commences à voir des drones en l'air, beaucoup de choses comme ça, comme si tout d'un coup avait changé. Je pense que ce n'est pas impossible qu'ils accélèrent les choses. Ils l'ont déjà fait d'ailleurs. La preuve, regardez. Vous allez me dire, mais comment c'est possible ce que tu dis, ce n'est pas possible Le Covid-19, c'est quoi euh, un, un virus, en l'espace en de deux mois, le monde, il a changé. Vrai ou pas Vrai ou pas Je suis un menteur ou pas En deux mois, le Covid-19, le monde, il a changé. Donc, est-ce que c'est impossible de faire une utilisation de l'intelligence artificielle dans l'espace d'un mois, deux mois et de tout changer le monde Ce n'est pas impossible. Surtout si, au préalable, il y a eu une préparation. Le cuivre peut être aussi bénéfique. Oui, après, il faut, faut, faut chercher, il faut, faut réfléchir, il faut essayer. Hein. Il y a apparemment des pierres qui sont utilisées contre les ondes magnétiques. Euh, je pense que là-dedans, si on n'y accorde pas de. Faire attention de ne pas accorder une puissance à ça. Si c'est uniquement de l'objectif de repousser des ondes, il faut faire attention à ça parce qu'on est dans une époque particulière. Aujourd'hui, on est devant un fait factuel. Un fait, c'est quoi La présence d'ondes. Tu as déjà vu la série Hayden Face. C'est une série de gel. Qu'est-ce que tu en penses Non, je ne connais pas. Comme les démons ont peur du cuivre et du feu, je sais pas. Je sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. De feu, je ne pense pas. Ils sont créés de feu. Donc, euh, de fumée de feu, ils vont pas avoir peur de leur origine. On n'a pas peur de l'argile. Donc, je ne pense pas. Sincèrement, je ne pense pas. Sincèrement, je ne pense pas. Inch'Allah, par la suite, je vais, euh, comment ça appelle, euh, je vais commencer à faire des vidéos, euh, Inch'Allah, sur euh, le site Patreon, pour ceux qui connaissent. Il y aura, comment ça s'appelle, pour ceux qui sont intéressés, une participation, euh, il y aura plusieurs niveaux. Hein, à partir, je crois que ça commence à partir de 5 euros pour voir les vidéos. Ensuite, une participation à 20 euros, après je sais 25. Euh, où, Inch'Allah, on va aborder, euh, euh, il y aura plusieurs sujets, donc euh, plusieurs thèmes, donc euh, santé, d'accord Religion, un peu de tout. Je n'ai pas encore défini les matières qu'on va étudier, mais tout ça. Donc, euh, euh, donnez-moi vos, vos, vos opinions, d'accord, soit par email, soit ainsi de suite. Donc, euh, comment ça s'appelle euh, euh, Des matières sur la religion, la rukia, sur le domaine de la roukria, ainsi de suite. Voir les avancées de la rukia, ainsi de suite. Et refaire, pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être, euh, reparler de la roukria de manière générale. Euh, la phytothérapie. Tout ce qui concerne les plantes, c'est intéressant. Beaucoup de choses pour la santé, le bien-être. Et euh, beaucoup de connaissances sur le sport. Donc, beaucoup de choses sur le sport, perte de poids, prise de masse, régime, tout ça. J'ai des connaissances dans tous ces domaines. Alhamdulillah. J'ai passé mon temps à lire sur ça. Donc, euh, je pense que ce n'est pas perdu. Euh, donc, c'est euh, vous qui êtes gagnant. D'accord Donc, pour 5 euros, un truc basique par mois, vous aurez accès à toutes les vidéos et accès à plein d'articles, Inch'Allah, que je ferai sur ces sujets-là, je me casserai la tête comme je le fais d'ailleurs pour les vidéos que je vous fais maintenant et euh, euh, comme ça, il y aura, comment ça s'appelle ce sera plus, plus sérieux, un hein, suivi avec des personnes intéressées qui mettront euh, ils auront mis un peu d'argent, donc ils seront plus intéressés, plus impliqués hein, je ne pas réclamé non plus, euh, je sais pas combien euh, voilà donc c'est un projet, je sais pas quand je vais commencer, le mettre en place mais euh, voilà, peut-être après le ramadan donc pour ceux qui sont intéressés, je vous donnerai tous les liens, inch'allah quand ça se fera. Et je continuerai toujours à faire quelques vidéos sur YouTube. Euh, mais disons qu'il y aura plus de choses intéressantes, ce qui est tout à fait normal, à Patreon. Je ne suis pas le seul à faire ça. Beaucoup sont arrivés à la même conclusion que moi, parce que sur YouTube, des fois, il y a plein de censures. Euh, voilà. Et c'est plus intéressant pour vous. Je préfère mieux ça. Comme ça, il n'y a pas de mendicité. Hein. Euh, Quoique je ne considère pas comme ça demande la mendicité, hein, quand je dis par exemple qu'il faut du soutien pour euh, notre travail, mais euh, Patreon ça empêche justement euh, d'être récompensé pour ses efforts sans plus et c'est plus intéressant pour vous, comme ça au lieu de faire un don de je ne sais pas combien d'euros de, par, euh, par mois, hein, peut-être certains n'ont pas les moyens, peut-être c'est difficile, peut-être qu'il faut que vous vous prépariez aussi justement. Hein, donc, euh, donner, je pense, 5 euros, c'est quelque chose d'accessible, hein, c'est peut-être le prix d'un tacos. Et euh, comment s'appelle ça permet de, de, de par mois et ça permet de suivre des vidéos d'être sérieux ainsi de suite et vous inquiétez pas vous ne perdrez pas au change parce que vous apprendrez beaucoup de choses dans tous les domaines aujourd'hui les gens euh, sont malades physiquement ils ont besoin de, de médication pour se soigner par les plantes ça ça vous servira donc c'est du gagnant euh, rien que ça déjà vous savez qu'une consultation chez un naturopathe c'est super cher vous apprendrez des choses sur le sport euh, aller euh, contacter un coach sportif pour perdre du poids, pour prendre de la masse, ça coûte cher ça ne vous coûtera pas très cher euh, comment ça s'appelle euh, euh, apprendre des choses sur la religion normalement on fait pas payer, ça c'est normal mais bon, malheureusement quand il n'y a pas d'autre choix on évite, on a des limites comme on va pas faire payer le Coran on va pas faire payer certaines choses hein, euh, donc on essaie d'être voilà au maximum de pas être en porte-à-faux vis-à-vis de la religion et d'être correct voilà ni... Euh, voilà, que ça soit correct, que ça soit accessible à tout le monde. Euh, et voilà, et plus c'est toujours même la même euh, politique, plus il y aura de monde, eh ben, plus il n'y aura pas lieu de faire payer 5 euros, peut-être une chalap un peu moins, ainsi de suite. Le but, ce n'est pas de s'enrichir. On ne s'enrichira pas, c'est sûr, avec ça. Euh, mais voilà, moi je pense que c'est mieux pour que les cours se fassent de manière sérieuse, dans un bon cadre. Moi je suis motivé, je fournis des bons, des bons, euh, comment ça s'appelle, des bons, des bons trucs, vous apprenez. Hein, euh, tout, ça peut être intéressant pour beaucoup de monde, pas que les musulmans hein. il y a plein, plein d'infos que je donne franchement, ça peut être intéressant pour euh, plein de groupes, plein de sectes hein, euh, tout le monde est à la recherche euh, du Saint Graal, entre guillemets hein, euh, c'est une métaphore donc euh, il y a beaucoup de choses qui sont euh, profitables pour tout le monde donc Inch'Allah par la suite j'en parlerai, quand ça se mettra en place je vous le dirai Inch'Allah Ta'ala après je commence à faire des articles vous, pouvez, vous pourrez commencer après déjà à, à vous inscrire, Inch'Allah, sur la plateforme. Quand je commencerai déjà euh, au moins à fournir, voilà, il faudrait qu'après ça soit euh, presque tous les jours ou tous les deux jours qu'il y ait quelque chose. que Comme ça, vous n'êtes pas lésé, Inch'Allah. Ça ne fasse pas comme euh, l'Institut Zinki, d'accord Donc euh, j'espère qu'Inch'Allah, ça sera plus sérieux avec Patreon. Donc essayez de, de faire un peu un effort. Euh, je vous dis, c'est mieux pour vous et mieux pour tout le monde. C'est mieux que. Que les gens il y en a ils donnent je sais pas tant un peu une somme que je trouve un peu des fois je me sens mal c'est mieux voilà que la personne elle donne 5 euros qu'il y une petite somme par mois et voilà euh, même même c'est si dans la niade et ben même si en vérité ça compense le, le, le travail fourni ça peut faire deux pierres euh, un coup quoi un coup lui deux pierres une pierre avec deux coups alors pierre de changit pierre de sel d'accord j'avais regardé ça, il y a un site, j'avais mis des trucs de côté. Je n'ai pas encore le temps de me pencher sur la question, mais on étudiera ça aussi, parce que ça, ça m'intéresse. Franchement, les ondes magnétiques, il y en a marre. Des fois, on le sent. On a tous, je pense que comme moi, vous avez tous des acouphènes. Nous, on ne s'en rend pas compte parce qu'on parle, il y a l'ordinateur. Mais si je commence à, à, à tout éteindre et à me concentrer, je vais me rendre compte qu'on a tous des acouphènes. d'accord Donc, on a une surcharge euh, magnétique qui n'est pas normale. Il faut, la, il faut se décharger. Comment le faire euh, On le verra peut-être par la suite. Il y a des biais pour ça. Tout simplement marcher aussi pieds nus, hein, ça, ça décharge. Sur la terre, ça décharge. Mais après, les élites sont servis de ce coronavirus pour restreindre notre liberté. On le voit. Ils ne se cachent plus. Confinement, ne plus travailler. Oui, exactement. Mais ça va être pire. C'est pour ça la 5G pour contrer le mental. Euh... Non, il y a pas que ça. Il faut comprendre que la 5G, c'est hyper important pour l'intelligence artificielle. La 5G, c'est ce qui va permettre l'intronisation de l'intelligence artificielle. Tout ce qui va fonctionner par le biais de l'intelligence artificielle, qui est l'intelligence art artificielle, c'est euh, comment s'appelle des octets qui sont euh, décuplés euh, par je sais pas combien. C'est euh, une puissance immense sur le plan informatique et justement les ondes de la 5G vont permettre ceci. Aujourd'hui, la 4G ne le permet pas. C'est pour ça qu'ils ont besoin d'un euh, euh, seuil minimum, c'est la 5G. Tu penses réellement que les endroits isolés ne seront pas atteints par le mal euh, du dégel quand on sait que quasiment tous les endroits sont électrisés Oui, mais un peu moins. Tu ne peux pas confondre euh, un village, euh, même en France, regarde aujourd'hui, euh, regarde par rapport aujourd'hui, la différence entre les gens qui vivent dans les villages et les villes. Ça n'a rien à voir. Un village sera toujours un village. Tu ne peux pas confondre un village... Même s'il y a quelques antennes et quelques, je ne sais pas quoi, une antenne qui se balade par là, hein, euh, euh, avec, comment s'appelle, euh, une ville où tous les, euh, tous les 500 mètres euh, ou tous les 400 mètres, il y aura une antenne, parce que c'est des ondes courtes, il faudra en mettre de partout. T'es fou, ça va, ça va faire mal au cerveau. Surat Rahman, Dieu en parle. Parle de quoi, Ari? La prière meilleure des protections, oui. Sur Patreon, tu peux te lâcher plus Non, ce n'est pas question de me lâcher plus, c'est question que, euh, en général, je dis ce que j'ai à dire, et puis voilà, ce n'est pas une question de lâcher ou pas lâcher. C'est question que d'essayer de trouver des choses, de dire la vérité. De... Après, si par lâcher, tu veux dire que je suis plus, plus à l'aise, peut-être oui. Peut-être, oui, j'espère, avec des gens plus sérieux, euh, peut-être Inch'Allah. Amine, hum. ce serait bien que tu fasses un petit live une fois par mois minimum. Il n'y a pas de problème. Les mecs, ils sont blindés, ils grattent normal. Pas avoir honte, toi non plus. Euh, oui, mais bon, après, je ne suis, suis pas dans ce délire. Je m'abonnerai avec plaisir. Comment se fait-il qu'il y ait une différence entre djinn et shayatin, sachant que le shayatin est un djinn Eh bien, tout simplement. Il y a ce qu'on appelle le genre, d'accord Et après, il y a euh, dans le genre, il y a des catégories, d'accord Il y a genre et catégorie. Il y a les humains, ça c'est le genre, le genre humain. Et dans les humains, il y a des catégories, comme il y a adamique, pas adamique, euh, hominidé, pas hominidé, ainsi de suite, d'accord Les djinns, c'est le genre. Dieu, quand il parle de Satan, il dit quoi Qu'un aminal djinn était parmi les djinns. Donc le djinn, c'est le genre. C'est des, des, des créatures qui sont tous créées de la même manière, comme les bachar, qui sont tous créés de sang, comme on a expliqué dans la vidéo par rapport à Adam. Et donc les djinns, c'est un socle commun. Et dans les djinns, il y a quoi Il y a des djinns où il y a du bien et pas du bien, qui sont musulmans, qui ne sont pas musulmans, qui sont ne euh, sont pas sectaires, qui sont juifs ou pas juifs, chrétiens ou pas chrétiens, ainsi de suite. Et il y a parmi, dans la catégorie des djinns, ce qu'on appelle les démons, les chiartins, c'est des gens. Euh, c'est des créatures à la différence des anges les anges ne font que le bien ne connaissent que le bien les démons ne font que le mal ne connaissent que le mal voilà la différence euh, par rapport entre shaitan donc démon et djinn je pense inshallah que euh, euh, dans j'ai pas encore euh, réfléchi mais dans l'abonnement le basique je pense qu'il y aura tout la personne elle pourra profiter de tout ce sera intéressant je pense qu'Inch'Allah, il y aura un peu de tout dedans, d'accord Pour varier comme ça un peu sur l'escatologie, la rurkia, la phytothérapie, le sport, un truc général, quoi, qui soit, voilà, où, où on va essayer de suivre l'actualité aussi, de savoir euh, qu'est-ce qui est intéressant, comment, quelle plante intéressante, quelle découverte intéressante. Parce que je vous dis, dans le futur, il euh, y a beaucoup de choses qui arrivent, il hein. y a euh, beaucoup de trucs de synthèse, beaucoup de, y a beaucoup de choses. Il ne faut pas qu'on soit à la ramasse non plus. Elles seront les vidéos et bien sur Patreon, tout simplement. Mets-toi pas la pression régulièrement, c'est tout. Oui, justement. On ne doit pas complexer de faire des choses payantes, c'est vrai, il y a des limites, mais tout est relatif, il faut vivre. Et c'est aussi une injection divine, il faut se donner la force. Oui, malheureusement. C'est comme ça, on n'a pas le choix. Euh, oui, oui, censure, et avec la nouvelle loi, le 13 mai prochain de la négresse. De maison ministre à via loi de censure, ça va faire mal. Euh, c'est quoi cette loi de censure? Parce que je la connais pas. Bon, J'essaie de regarder c'est quoi? Je ça. Ah, c'est contre la haine en ligne. On essaiera de ne pas être haineux. Et puis voilà. quand je le fais dès que je peux. Pour sauver l'esclavage, il faudra fuir dans les montagnes. Euh, moi, je pense que non, je pense que les, les villages, c'est le top. Montagne, village, c'est le top. Franchement, moi, je pense que c'est le bon compromis. Un petit village, pas beaucoup d'habitants, moyen, avec un peu de modernité, tranquille, pépère, une maison. L'essentiel, il faut avoir même une, un pavillon, franchement. Même un pavillon en ville, pour ceux qui ont, qui ont déjà un pavillon, qui ont un truc, faire un potager, c'est tout, un bon potager, euh, il faudra protéger, <laughs> protéger son potager parce qu'en cas de, de famine, en cas de je ne sais pas quoi, je pense qu'il y en a, ils, vont, ils auront tellement la dalle qu'ils sont capables de voler vos tomates. Le temps est proche où la meilleure solution pour l'homme sera de posséder un troupeau de moutons qu'il conduira vers le sommet de montagne. Exactement, c'est ça le prophète, le prophète qui nous l'a dit. Exactement, c'est ça. Elon Musk avec Neuralink va faire des tests d'implants cérébraux sur des, in des humains dans moins d'une année. Ah non, mais de toute façon, je vous dis, d'ici 2030, vous allez péter une durite. Ça va leur venir d'une manière. Ils ne vont même pas s'y attendre. Ils s'y attendront même pas. Franchement, euh, un truc de ouf. Un truc de ouf. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions avant que je clore le, le, le live par rapport à ce que j'ai dit sur Gog et Magog Parce qu'on n'a pas tout dit. Euh, je conseille de lire mon livre. Je refais encore une pause. Euh, je mettrai le lien sous la vidéo, c'est mieux. Mais euh, ceux qui ne l'ont pas lu, vous, vous aurez déjà une idée de ce que je dis, moi, par rapport à la corrélation entre démons et humains, ainsi de suite. Qu'Allah facilite tous ceux qui peuvent. Moi, je suis coincé. Pourquoi tu es coincé, Sakina Tu habites au Canada, toi c'est bien là-bas le Canada. Pourquoi t'es coincé Il y en a plein qui, qui vont faire le hijra, même je parle de, de personnes qui ne sont pas musulmanes au Canada. Pourquoi t'es coincé Un protégé d'amnésia. Amnésia, euh, amnésia c'est un film, non c'est ça C'est pas les trucs sur les serres et tout C'est un film amnésia Pourquoi comment utiliser son purin? C'est quoi ça potager d'amnésie Dans ce cas, ça sera Walking Dead. Oui, Walking Dead, pas des, euh, ce ne sera pas des zombies, mais euh, des zombies d'une autre manière. Dieu, dans le Coran, quand il compare ceux qui invoquent Dieu et ceux qui invoquent pas Dieu, qui adorent Dieu comme le mort et le vivant. Donc, il euh, y a des gens, déjà, ils sont vides parce qu'on leur a vidé leur esprit avec euh, la turpitude, avec euh, les péchés, la musique, euh, ainsi de suite. Imaginez avec la technologie, ça va être le robot va être puisé toute ton énergie, cousin. Bah, C'est un truc de fou. Les gens vont toute la journée avec leur casque virtuel, les hologrammes. Le mec il voudra même pas vivre. C'est ça le pire. C'est que le mec tu dis so, viens, on sort dehors Viens on va faire un foot, viens on va faire un footing. Le mec il va dire Mais t'es malade, cousin, le footing, je vais faire sur mon fauteuil Attends, regarde le casque, je te mets en mode euh, footing stade 3, un truc de fou, je cours méchant vite et tout, t'as les mêmes sensations que tu cours. Le mec, euh, le mec qui va se mettre comme ça, s'allonger, il aura bouffé de la pizza, il aura un gros kirsch ça va déborder de partout soit il va prendre des substances pour pour pas trop grossir d'ici là il y aura des substances synthétiques mais il faut s'attendre à un truc comme ça quoi il y aura pas ce côté naturel ou voilà ça va être ça va être pire que maintenant déjà internet c'était une révolution vous avez vu le en fait c'est quoi vous avez vu l'impact d'internet sur le monde l'avenue d'Internet vers 90 des années 97 et son impact sur le monde l'intelligence artificielle en 2030 sera le même impact euh, euh, Qu'il y a eu en, en, en 1997. C'est-à-dire que ça va tout révolutionner. Il y aura un avant et un après IA. Voilà. Ça va être un truc de fou. Prendre personnel sans ressources, sans aide sociale, je vis le jour le jour. Ah bon, moi, je savais pas. Hein. Je n'étais pas au courant. j'étais pas au courant. Si on peut t'aider, je ne sais pas. Te... Si Allah il m'ouvre les portes, Sakina, je t'aiderai, Si Allah il m'ouvre les portes, je t'aide. D'ailleurs, je ne te pas que toi, hein, j'ai tout le monde, mais bon. Inch'Allah, qu'Allah il m'ouvre les portes, je te Inch'Allah. Si, euh, si on peut, je sais pas, donner des conseils, si on peut te mettre en contact avec d'autres personnes qui habitent ou t'habites euh, Ouais, deux enfants, c'est un problème. C'est un vrai problème. Je suppose que tu es divorcé ou pas marié, c'est ça Divorcé, pas, pas marié. Cette 17e nuit est une nuit bénie, Inch'Allah. Inch'Allah, ta'ala, j'espère qu'on a. Oui, j'ai oublié la dix-septième nuit, oui, c'est euh, la bataille de Badr, c'est ça Ah, c'est pas le Tariq <laughs> Badr, c'est ça, Badr, c'est la, la descente des anges. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Inch'Allah, c'est le Tariq. En plus, j'entendais tout à l'heure du tonnerre, ainsi de suite. Inch'Allah, sait-on jamais Sait-on jamais Inch'Allah, Ya Rabbi l'Alamin, qui nous donne la, la présence des anges. Euh, je ne sais pas, dis, dis où t'habites à peu près la ville dis où t'habites la ville euh, fais ce que tu fais, on n'est pas encore pressé fais comment ça s'appelle euh, fais une boîte email, il n'y a pas ton nom, ton prénom fais une, une boîte email euh, temporaire, comme ça, t'as vu euh, on demande à ceux qui on dit où t'habites, c'est-à-dire la ville s'il y a des gens qui ne sont pas loin qui... Euh, peut-être des gens mariés qui vont rentrent en contact, une soeur euh, on ne sait pas, on sait pas. Et faut Il gens, euh, qui vois, pas euh, faut s'entraider. Une peut-être qu'il y a des gens qui vont t'aider. Tu vis clandestinement, tu euh, vois, euh, c'est pas normal. Il faut qu'il y ait des gens qui t'aident, d'accord. Donc c'est pas normal, c'est pas normal, tu vois. Donc, euh, comment ça s'appelle C'est pas normal. Il faut euh, comment t'aider, je sais pas. Donne, donne un email. D'accord Ce que je peux faire par la suite pour, pour euh, faire une euh, comment s'appelle un, un mail. Tu vois ce que je veux dire Demain, dans le live qu'on fait, tu mets ton mail. Dis euh, dans la ville que tu habites. Les gens vont te contacter. Et peut-être qu'il y a des gens qui sont pas loin de toi. Ça peut changer une vie. Hein. si tu connais, quelqu'un, euh, ne serait-ce qu'un Rajel, euh, déjà qui peut savoir euh, si tu as besoin de quelque chose, qui peut. On sait jamais, ça part en vrille demain. Faudra pas que tu sois toute, tu sois toute seule. D'accord Donc, euh, n'hésite pas à faire ça. Et ne dis pas, merci, je me remets à Allah. Non, ça, c'est... C'est euh, une erreur de penser comme ça. C'est bien de se remettre à Allah, mais il faut faire ce sabab. Fais, le, fais les fais les causes, et remets-toi à Allah. On a vu, justement, dans l'histoire de, de, de tout à l'heure, euh, de, de l'Ulqarnayn, sabab, c'est des voies, mais aussi, c'est des causes. D'accord Les sabab, c'est des causes. Toutes choses... Il y a une relation de cause à effet. D'accord Donc il ne faut pas négliger les causes et dire je me remets à Allah. Vous vous rappelez que Mariam, quand elle était enceinte, Dieu lui a demandé de faire trembler le pani. D'accord Donc c'est vrai qu'on doit compter sur Dieu, mais il y a un moment où on est dans une époque particulière. Ce n'est pas tu sors, tu as une époque aujourd'hui où tu peux aller travailler, tu dis bon, je vais faire un boulot euh, en préservant ma dignité, euh, je ne sais pas quoi, je ne sais pas si tu portes le ou pas, ça ne m'intéresse pas, mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc on n'est pas. Euh, et c'est comme ça, on est obligé de se supporter les uns des autres. Donc, euh, si tu veux faire ce que je t'ai dit, fais-le. Si tu veux pas, ben, je suis désolé, mais malheureusement, je ne peux pas faire autre chose. Parce que je crois que si, si je me trompe pas, tu habites au Canada. Pas refuser le professeur Sallam. Je vous donne un exemple. Le prophète, quand il a eu besoin d'argent, il est parti emprunter de l'argent chez un juif. Il ne s'est pas dit le prophète Je suis le prophète d'Allah. J'ai euh, comment ça s'appelle combien, combien de personnes seraient à faire beaucoup de choses pour le professeur On est d'accord. Des, des, des milliers de personnes seraient prêts à, à mourir pour le professeur Sallam, d'accord S'il le demandait. Le prophète ne l'a pas fait. Il a eu besoin d'argent. Il est parti voir un juif qui a, il, lui a emprunté de l'argent parce que tu es prêtait de l'argent déjà à la base. Il a donné, il a laissé quelque chose en hypothèque et c'est réglé. Et le prophète n'a jamais dit Ben. Je me suis rabaissé ou je ne sais pas quoi, ainsi de suite. Et personne, personne le, ne l'a perçu comme ça. Au contraire, moi je pense que c'est tout à son honneur à un prophète d'arriver à un tel degré. Tu imagines, normalement, euh, ça aurait été quelqu'un qui est mauvais, euh, un, un profiteur et tout. Il serait déjà plein d'argent. Il aurait un sac d'or chez lui, déjà, comme les, les gourous et tout ça. Donc je pense que c'est tout à son honneur. Alayhi wa sallam. Donc il euh, n'y a pas Il n'y euh, a pas de mal là-dedans. D'accord, il ne a pas de, faut pas percevoir la chose comme ça. Donc, euh, fais une boîte email où il euh, y a un autre nom, il y a un autre prénom. Tu mets ça demain dans le live et euh, les gens vont te contacter. Et puis voilà, c'est sûr tu vas, aller re... tu vas trouver un début de solution et ça un réel. Désolé pour le pavé dans la mare, euh, tac. Merci, je m'en remets à Allah. On doit tous compter sur l'aide de nos prochains et pas rester isolés. Oui, exactement. Allah peut t'aider peut-être par l'intermédiaire de nous. En tout cas, qu'Allah t'aide. Si je te dis qu'Allah t'aide, et en tout cas, n'hésite pas. Si on peut faire quelque chose, n'hésite pas. Donc si vous avez des questions sur Gogemagog, allez-y, si plus de questions, on, on ferme le live. Fekabaraka. Donc plus de questions sur Gogemagog, Donc on va euh, clore le live s'il n'y a plus de, de questions sur Gogemagog. Fait que Baraka, bon, alors on va clore le. Donc, Baraka, on fait comme à tous. Vous voulez partager la vidéo, partagez-la. Vous voulez pas la partager, partagez-la pas. Vous voulez mettre un j'aime, mettez un j'aime. Vous voulez pas, ne mettez pas de j'aime. Vous voulez euh, consulter les livres euh, que j'ai écrits sur le sujet, consultez-les. Vous voulez mettre un commentaire sur Amazon pour que le livre se vende mieux, faites-le. Vous voulez pas, faites-le pas. C'est pas un problème, d'accord De toute façon, comme on est rassemblés aujourd'hui, on sera aussi rassemblés. Euh, le jour du rassemblement, le grand rassemblement, toutes nos actions seront exposées au grand monde. Voilà, donc, euh, je vous remercie à tous. Bon, bah Demain, Inch'Allah, et on essaiera de trouver un sujet intéressant. Je sais pas quoi encore. Si vous avez des idées, dites-le moi dans les commentaires. même les commentaires sont fermés, vous pouvez envoyer un mail ou, ou dans la chaîne, je sais pas. Il y a toujours une solution. Je vous remercie.